Dieu, thank you.
Psaume chapitre 118, nous lisons la parole du Seigneur. Louez l'Éternel car il est bon, Amen. Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Amen. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Amen. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Amen. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Amen. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Amen. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Amen. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Amen. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Amen. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Amen. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Amen. Mon Dieu, je t'exalterai. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car Amen. Sa miséricorde Dieu a toujours. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. À toi, à ta parole, à toi, à ta volonté, mon maître béni, Père, nous voulons
que nos yeux soient fixés constamment sur toi. Notre cœur est mort rempli de l'amour à toi, mon bénévole Seigneur. Oh, que nos pensées soient simplement nourries par toi, Père. Seigneur, viens-nous en aide encore ce matin. Soutiens-nous encore, notre Dieu. C'est de qui notre cœur encore ce matin, Seigneur. Pour toi seul, notre Père. Accorde-nous encore le secours, mon bénévole Seigneur. Souviens-toi de nos frères et sœurs, notre Dieu. Chacun de nous encore ce matin, Seigneur. Tu connais le besoin sur le cœur, le requête de chacun, mais de mes cas puissants. Et les vies profondes de chacun encore ce matin qui se tient dans ta présence, mon bénévole Seigneur. Oh Dieu, tu as dit que tu étais un secours, Père. Il n'y a jamais encore dans la détresse, mon bénévole Père puissant. Vois le cœur de chacun ce matin, de mon frère et de ma soeur, de nos enfants aussi, Père. Oh Dieu, puis-tu exaucer, Seigneur. Puis-tu répondre, mon roi. Parce qu'il n'y a point de Dieu que toi, mon bénévole Seigneur. Oh Dieu, le seul qui a la bouche pour pouvoir parler, Seigneur. Qui a les yeux pour voir aussi, bénévole, mon Dieu. Et qui a une main pour pouvoir sauver, mon sauveur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Parce que tu guéris encore aujourd'hui. Comme hier aussi, bénévole, Père puissant. Tu ne changes point, mon roi. Nous avons chanté les chants des Sion pour la gloire de ton Seigneur. Et nous avons bien été tellement si grand pour nous, bénévole, Père, mon Dieu. Nos cœurs sont pour toi, nos pensées pour toi, nos âmes pour toi, bénévole Père puissant. Et ce que nous sommes aussi pour ta gloire à toi, Père Saint. Louange et honneur à toi, Saint Seigneur. Merci pour tout, Père Saint. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, bénévole Dieu. Pour nos enfants aussi, pour bénévole Père puissant. Et tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion ce matin, Père. Dans le lieu, c'est pour encore aujourd'hui, mon sauveur. Seigneur, que tu étends ta main, que tu le bénisses, que tu le délivres, Père. Accorde la grâce, bénévole Père puissant. Chacun a besoin de toi, chacun a besoin de conduit par toi. Convaincu par toi, mon bénévole Père Saint, dans les jours qui viennent sont des jours mauvais. Les temps sont tellement mauvais, Seigneur. Nous avons besoin de toi, mon bénévole Père Saint, pour avoir les temps glorieux et les jours glorieux, mon bénévole Père Saint. Avec toi, tout est glorieux, mon frère. Béni sois-tu encore, Père Saint. Nous te sommes reconnaissants pour tout, Père. Oh, gloire soit rendue au roi. Car nous t'avons aussi prié, Père. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni, que son Seigneur soit glorifié. Nous sommes heureux, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux, on pense ce matin, de pouvoir être là, de pouvoir aussi être surtout dans sa présence, de savoir qu'il est au milieu de nous. Nous le remercions vraiment de ce que nous a gardé jusqu'à ce jour ici et que nous ayons pu avoir cette grâce de pouvoir voir le soleil qui s'est levé. Et rassembler aussi dans sa maison, nous avons le désir de pouvoir davantage certainement nous approcher à lui pour qu'il puisse nous aider afin que nous puissions certainement aussi apprendre davantage de lui. Mais je vois mon frère Arthur et je ne sais pas si notre frère. Nous avions un frère ici, je crois que son nom c'est j'ai oublié le nom du frère ici. Isaac, qui devait peut-être traduire en irlandais pour notre frère, mais que le Seigneur a connu. Ça va aller en français, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous prions que le Seigneur, notre Dieu, nous aide, c'est que nous puissions davantage nous approcher à lui et les saisir pour que nous puissions avancer, puisque les jours qui sont devant, comme on voit effectivement, comment les choses sont en train de pouvoir avancer. Ce sont des jours qui ne sont pas tellement très bons. Donc pour la terre, effectivement, comme nous voyons comment les choses sur cette terre sont en train de pouvoir avancer, mais nous prions que notre Seigneur et notre Dieu nous accorde vraiment la grâce de pouvoir réellement nous positionner pour que nous soyons vraiment au lieu que Dieu veut que nous puissions être. Nous ne cessons de pouvoir parler, effectivement, en rapport avec le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour beaucoup, peut-être, c'est devenu comme une musique qui se fait entendre, et puis comme à l'époque, vous savez, on avait des disques de 45 tours et des 33 tours, peut-être un grand 33 tours, mais qui a un tour, vous voyez ce que je veux dire? Mais nous devons être conscients que si pour les uns c'est comme cela, mais pour nous, c'est pas la même chose. Amen. Parce que nous avons trouvé la grâce aux yeux du Seigneur de ce que il nous a vraiment ouvert les yeux pour que nous puissions voir réellement comment est-ce qu'on progresse dans le plan du Seigneur et où est-ce que nous sommes effectivement. Et qu'en est-il, comme on peut dire aussi, mais quelle heure est-il exactement? Nous regardons la montre, effectivement, nous savons exactement quelle heure il est.
Quand un enfant qui ne sait pas lire l'heure, effectivement, tu peux lui mettre la montre sous ses yeux, il va bien voir les aiguilles, mais il ne sera pas différencié. Mais toi, qui sais lire l'heure, quand tu regardes les aiguilles, effectivement, d'une montre, tu sais effectivement quelle heure il est. Et ce que tu dois faire, effectivement, si c'est tard dans l'après-midi, tu le sais. Mais celui qui ne sait pas lire, effectivement, eh ben lui, c'est un peu comme Paris. Donc, bon, ben, ça continue, mais en fait, tu sais que non, mais si l'aiguille est là, il est presque 17h, bientôt 18h, la nuit va tomber. Donc, on a cette grâce, effectivement, de la part du Seigneur, que nous puissions arriver à pouvoir être aussi rassurés, de manière à ce que nous ne marchions pas comme les autres qui marchent, effectivement, et qui n'ont pas la connaissance exacte des choses, parce qu'il a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et nous qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes appelés le peuple de Dieu et nous devons être vraiment conscients et vraiment sûrs et certains que quand on parle du peuple de Dieu, je suis aussi dedans. Amen. Chaque frère et chaque sœur doit être conscient que ça, c'est aussi la place qu'il doit avoir. Si une telle chose n'est pas encore vraiment ancrée dans ton cœur ni dans ton âme, mon frère et ma sœur, nous avons encore le temps, nous pouvons prier pour toi. Si quelque chose, effectivement, n'est pas encore vraiment bien placé à l'intérieur, qui fait qu'effectivement, que tu ne te sens pas tellement sûr et certain d'être dans les choses, c'est encore jour de grâce, où le Seigneur accorde encore la grâce pour que les choses soient aussi bien affermies dans la personne, afin que, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, que tu ne te trouves pas étranger ou étrangère aux choses qui sont écrites, mais que tu sois réellement trouvé aussi dedans, que tu puisses arriver à pouvoir te regarder et dire, mais ceci, en fait, ça me concerne moi, pas parce que j'ai dit que ça me concerne, mais je sens que ça a un rapport avec mon âme. Il y a quelque chose qui a un rapport avec ce qui est dedans, qui entre en moi, qui me fait savoir que ceci est en moi. Et quand le Seigneur parle, je réalise aussi qu'en réalité, c'est vrai, il me parle aussi. Ce n'est pas que je suis là pour dire que, comme tout le monde dit, mais Dieu me parle. Non, je suis conscient carrément que Dieu aussi me parle. Amen. Et que je réalise qu'effectivement, qu'il me connaît. Amen. Ces choses doivent être des choses qui sont acquises et profondes dans le croyant. Le croyant, c'est-à-dire toi qui es fils de Dieu. Il faut que cette assurance soit aussi en toi. Ne viens pas comme un spectateur qui vient simplement là, qui regarde et dit, bon, je prends part, et puis j'en non. Soit comme celui qui se sent que, en tout cas, c'est aussi ma place, c'est aussi la chose qui me concerne aujourd'hui aussi. Je veux aussi recevoir quelque part. Et c'est Dieu qui est le mien, il a quelque chose à me dire à moi. Je ne peux pas partir ici comme je t'ai venu. Donc si je suis venu, c'est que je suis dans sa présence, il va aussi me parler. Les temps sont tellement si mauvais. Il faut réellement que nous soyons conscients aussi de l'heure et aussi de la manière dont les choses sont en train de pouvoir avancer. Ce n'est pas pour rien, mon frère et ma soeur, que le Seigneur peut descendre et nous parler effectivement et nous montrant dans les Saintes Écritures les choses pour que nous puissions être aussi rassurés. D'abord, qu'il a dit que le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Donc, nous devons être rassurés que nous ne marchons pas selon le train-train de ce monde, selon le train-train aussi des églises, mais nous marchons en fait selon la parole de Dieu et la conduite effectivement de l'Esprit du Seigneur. Car il dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, nous avons donc l'assurance que le Saint-Esprit, il vient. Nous ne répétons pas, ne venons pas pour simplement faire de... Mais enfin, nous sommes conscients qu'il y a réellement une marche dont nous sommes conscients que nous voyons qu'en réalité, avec Dieu, nous avançons. Hier, c'était autre et aujourd'hui, c'est tout à fait différent. On voit que nous ne sommes pas ce que nous étions hier. Et que dans notre marche, effectivement, les choses sont tout à fait différentes. Et là, Dieu est en train, effectivement, de pouvoir raffermir notre marche et notre foi de manière à ce que nous puissions réellement être des hommes faits. Un homme fait, ce n'est pas quelqu'un qui est influençable à gauche et à droite. C'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui est paisible parce qu'il est sûr et certain. Il est maître, en fait, des choses.
Il est sûr et certain de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce que Dieu a fait de lui en fait. C'est pas quelqu'un qui marche probablement, peut-être, je ne sais pas, c'est possible, non. C'est quelqu'un qui est certain. Vous vous souvenez de Pierre et de Jean. Ces deux personnes se sont levées, ils allaient au temple pour aller prier, comme tout le monde effectivement. Mais arrivés là, ils ont trouvé cet homme qui était assis à la porte de la peine. Vous vous souvenez, non? Amen. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Eh bien, évidemment, l'homme demandait l'aumône. Et puis, c'est, il lui dit, fixe-nous du regard. Il dit, regarde-nous. Regarde-nous, effectivement. Ils lui ont dit cela avec une telle assurance qu'ils savaient, effectivement, ce que eux, ils étaient. Amen. Et aussi, effectivement, que ce que cette personne qui était en face d'eux avait comme besoin et savait qu'ils étaient à mesure de lui donner ce qu'il avait comme besoin. Il dit, mais fixe-nous du regard. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, ce que nous possédons, nous voulons aussi te le donner. Ce n'étaient pas des hommes qui étaient flottants, mais c'était des hommes qui étaient certains, sûrs et certains que ces pierres, ces gens qui marchaient, ils savaient sans l'ombre d'un doute que même si leurs yeux se fermaient, c'est sûr et certain qu'ils verraient le Seigneur. Et donc, c'est une assurance que Dieu veut que nous puissions avoir et que chacun de nous doit réellement avoir. Nous ne venons pas à l'église parce que nous pensons que non, nous venons parce que nous voulons être affermis dans les choses que nous avons reçues, que nous recevons de la part du Seigneur. C'est que chaque jour qui avance, effectivement, que je suis avec le Seigneur, quand je reçois, alors je suis encore certain. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des questions que j'ai dans mon esprit, dans ma pensée, que je n'ai pas de réponse, mais quand je viens, Dieu qui connaît mes questions, il me donne la réponse. Pour que je ne puisse plus être perturbé parce que c'est non. Je dois sûr et certain que si Dieu, il est vivant, il voit mes besoins, il me connaît. Donc nous devons être conscients qu'effectivement, que nous avançons avec le Dieu du ciel, pas avec notre imagination ou quelque chose qui soit une fabrication d'homme, mais nous sommes en train de pouvoir marcher avec Dieu. Et Dieu, notre Seigneur, est en train de pouvoir faire l'histoire avec nous, parce que c'est nous, effectivement, qui sommes dans l'âge de la renaissance, comme il est toujours bien pouvoir le dire. N'oubliez jamais, jamais, jamais ça. Nous sommes dans l'âge de la renaissance et nous sommes de ceux-là qui faisons l'histoire de la renaissance. Donc, ça veut dire que dans les Saintes Écritures, effectivement, ce qui a été écrit, le Seigneur Jésus-Christ, dans Psaume 40, il a dit, je suis venu, effectivement, il dit, prophète, il dit, parce que dans le rouleau du livre, il est donc écrit de moi. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est-à-dire que accomplir, effectivement, ce qui est écrit de moi. Alors, nous aussi, dans notre temps, nous sommes, effectivement, il est parlé de l'âge de la Odyssée, il y a, effectivement, aussi ce qui est en rapport avec la Odyssée et des gens qui doivent vivre effectivement aussi dans la Odyssée. Est-ce que vous vous souvenez encore à l'époque, j'ai eu à pouvoir parler ici de figurants et des acteurs. Amen. Donc effectivement, chacun a un rôle et puis dans les scripts en fait du metteur en scène, il y a bien effectivement la part pour les figurants, pour les acteurs aussi. Donc chacun doit arriver à jouer son rôle. Donc chacun de nous aussi, dans ces temps où nous sommes, nous devons arriver à pouvoir savoir quel est donc le rôle que nous jouons aussi. Levons-nous pour prendre dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 13, je vous conseille cela. Lisons à partir du verset. Apocalypse 13, verset 11. Oui, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon.
Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui fit. Il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Amen. Amen. Monsieur Soba, Maître Guy, je te remercie encore pour la grâce que tu nous as accordée. Seigneur Jésus, ta parole est merveilleuse, comme mon précieux frère l'a chanté encore ce matin. La parole est la vérité, certainement c'est vrai. Et nous te remercions encore, mon roi, pour ce que tu nous tiens par ta main, pour pouvoir nous conduire, pour encore nous instruire, nous enseigner, Père, voir réellement aussi la crainte, Père, dans notre cœur. Prie encore ce matin pour chaque frère et chaque soeur de donner la grâce de toi. Aussi, Seigneur, notre attentive à ta parole à toi pour que ta sémence divine puisse encore pénétrer le cœur, Père, et transformer et changer nos âmes encore, mon roi. Nous avons tous besoin de toi. Puissions encore me pardonner, Père, puissions encore accorder les secours et les soutiens, Père Saint, afin que ta parole à toi nous soit donnée encore aujourd'hui, Père, pour que nous puissions encore être éclairés davantage afin de pouvoir te servir selon ta propre volonté. Bénis nos enfants, bénis nos frères, bénis nos soeurs, bénis tous ceux qui sont venus encore ce matin, ceux qui sont aussi au loin, Père. Je te remercie pour tous ceux qui sont là, qui sont présents encore ce matin. Oh, que ton nom soit béni, que tu le bénisses, que tu le protèges. Je t'avoue ainsi prier au nom de Saint-Christ. Amen. Bon pourrez. Le livre d'Apocalypse est un livre merveilleux. C'est un livre de symboles, comme vous pouvez aussi le regarder, le voir aussi comme la Bible les décrit. Et c'est un livre particulier parce que déjà au premier verset, on nous montre en fait le caractère de ce qu'il est. Il s'agit de la révélation. Révéler, c'est-à-dire dévoiler, ôter et montrer ce qui est en dessous. C'est-à-dire que quelque chose a été couvert dont on ne sait pas ce que c'est. Et quand on dit révéler, c'est-à-dire qu'on enlève le voile et qu'on peut maintenant voir maintenant ce qui est en dessous, effectivement. Et c'est comme cela qu'au verset, chapitre 1, verset 1, on nous dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Donc, nous voyons que c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ, effectivement, qui donne à son serviteur Jean. Et comme vous pouvez voir, effectivement, toute la signification de cela, c'est bien à Jean auquel le Seigneur vient pour pouvoir réellement révéler les choses qui doivent arriver bientôt en parlant, effectivement, à Jean. Alors, quand les Saintes Écritures spécifient des choses, lorsque nous les lisons, comme j'ai toujours dit, effectivement, on doit bien écouter et prêter attention. Il est bien dit à Jean. Et alors, quand on remarque très bien, ce même Jean a pu rendre témoignage de ce qu'il était, effectivement, nous pouvons le voir rapidement, juste les versets qui suivent, il dit, donc chapitre 1, le verset 3, dit ceci, non, le verset 2 dit, celui-ci a attesté la parole de Dieu, les témoignages de Jésus-Christ, et soit tout ce qu'il a vu. Heureux donc celui qui lit et ceux qui entendent le parole du livre. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alors il dit ici, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est donc part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, nous voyons que ces gens, ils étaient quand même particuliers. Et il nous fait comprendre, effectivement, pourquoi il s'est trouvé dans un endroit comme celui-là, parce qu'effectivement, que
l'île de Patmos, c'était effectivement considéré comme c'était une prison pour lui. Et on s'est posé la question, on va savoir pourquoi il est là. Il nous a rendu témoignage. Il dit ceci, il dit, donc j'étais donc dans l'île Patmos, appelé Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La parole de Dieu et du témoignage de Jésus. À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, cet homme a été donc exilé sur l'île de Patmos. Et sur cette île de Patmos, effectivement, il n'avait personne autour de lui. Peut-être, bon, il avait peut-être des scorpions, on ne sait pas tellement très bien ce qu'il a, parce que je n'ai jamais été sur l'île de Patmos, mais c'est une île, donc à l'île, il y a peut-être personne, il était tout seul, il n'a pas dit qu'il avait un frère sauter à côté, ou non, il était seul. Mais pourquoi se trouvait-il par là, effectivement, d'après ce conseil, c'est parce qu'il a dit lui-même, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Vous voyez, abandonné de tous, rejeté dans un point où il n'y avait personne même qui pouvait vraiment le visiter, mais Jésus-Christ, notre Seigneur, il ne l'avait pas oublié. Amen. C'est ainsi que le Seigneur vient vers Jean pour pouvoir réellement lui parler et lui révéler effectivement le jour. Alors, elle est très bien, frères et sœurs, il est bien parlé, c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez que tout le monde peut lire le livre d'Apocalypse. Tout le monde peut le lire parce que c'est écrit dans une langue qu'on appelle le français, et puis bon, ben c'est écrit effectivement là comme on peut lire dans un livre, comme l'autre livre effectivement. Mais tout le monde ne peut pas comprendre effectivement le livre d'Apocalypse. Pourquoi d'abord? Parce que d'abord, premièrement, il est écrit Révélation de Jésus-Christ, en fait. Regardez vers qui, effectivement, le Seigneur est allé pour pouvoir, effectivement, donner cette révélation à Jean. Vous suivez? Alors, quand nous regardons, effectivement, lorsqu'il a parlé à Jean, qu'est-ce qu'on voit, en fait, de Jean? Au chapitre 4, nous voyons qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe avec Jean, parce que la Bible dit, il lui dit lui-même, je vais le dire avec vous, hein, il dit ici, chapitre 4, verset 1, dit « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. » La suite, n'est-ce pas? Donc, comme nous savons, l'Écriture, nous l'avons lu effectivement, nous réalisons que, à cette partie, effectivement, nous comprenons que Jean, effectivement, c'est le type de l'Église, n'est-ce pas? C'est le type, effectivement, de l'épouse. Et qu'effectivement, à cela, on voit effectivement qu'il a été donc enlevé. Donc, il s'agit effectivement aussi de cette image, effectivement, de l'enlèvement de l'épouse. Donc, Jean était donc le type de l'épouse. Donc, et le Seigneur a dit à Pierre, il dit, mais sur cette révélation, vous suivez? Je bâtirai mon église. Donc il s'agit effectivement que de l'église du Seigneur Jésus-Christ qui doit réellement recevoir la révélation parce que cette révélation la concerne elle. Elle ne concerne pas quelqu'un d'autre, effectivement. C'est elle, effectivement, qui est censée pouvoir recevoir la révélation. Pourquoi? Souvenez-vous, frères. Le Seigneur Jésus a eu à pouvoir dire à ses disciples, quand tu lui as posé la question, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas à eux. À vous, oui. Donc, c'est à eux maintenant, effectivement, que le Seigneur vint pour pouvoir leur faire comprendre ce que tout le monde avait entendu et puis, ils ont compris, mais qu'ils n'avaient pas saisi, mais que le Seigneur va maintenant vers eux, les disciples, effectivement, pour leur faire comprendre. Mais vous, voici maintenant ce que veut dire, effectivement, la parabole du semeur. Les autres ont entendu, ils sont partis avec leurs propres interprétations, mais vous, il vous a été donné de connaître les mystères. Le livre, donc, le semeur, donc, c'est le Fils de l'homme. Et la bonne sémence, effectivement, donc, la sémence, effectivement, donc, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est ainsi que le Seigneur a commencé à pouvoir réellement ouvrir l'entendement de ses disciples pour qu'ils comprennent parce que ces choses leur appartenaient. Donc, quand on prend le livre d'Apocalypse, tout le monde peut avoir les oreilles.
Et c'est pourquoi l'Écriture dit que c'est lui qui a des oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pourquoi c'est toujours une grâce particulière de Dieu, comme j'ai toujours dit, ne pensez pas que nous sommes comme une église où on peut aller simplement. Non, nous sommes en train de pouvoir travailler avec le Dieu du ciel. Nous travaillons avec l'Esprit de Dieu. Alors nous sommes conscients, nous devons être conscients qu'effectivement, que si Dieu travaille avec nous, c'est pour que nous puissions atteindre effectivement cet objectif pour lequel le Seigneur lui-même nous a réellement appelés. Donc, nous nous tenons dans une position telle que quand nous arrivons, chacun de nous le matin, quand nous arrivons, nous entrons, si nous sommes premiers ou deuxièmes, effectivement, nous avec nos têtes, effectivement, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont en chemin. De sorte que quand ils viendront aussi, que le Seigneur leur accorde la grâce d'avoir cette atmosphère bénie. Et que leurs pensées, si, par exemple, Satan voulait les troubler par des pensées à gauche et à droite, que le Seigneur puisse les garder. Donc nous prions non pas pour nous-mêmes, nous prions aussi pour nos frères, pour nos sœurs, effectivement, pour qu'ils soient attentifs à l'assemblée. Que quand ils viennent, effectivement, ils disent, je ne suis pas venu pour attendre mon fils ou ma fille pour l'accompagner, mais je suis venu pour que mon âme à moi trouve grâce devant la face de Dieu, que j'entende effectivement ce que Dieu dit. Donc quand nous prions comme ça, alors Dieu entend nos prières. Amen. Même si Satan combattait effectivement pour que mon frère soit distrait, ma soeur soit distraite, effectivement, par la prière, nous avons bien dit, Dieu maintenant prend contrôle. Il fait que l'attention maintenant vient. Alors, chacun doit recevoir. Alors, comme nous le disons, effectivement, là, le Seigneur montre que l'Apocalypse, effectivement, et même comme il montrait, c'est un livre des symboles comme il a pu voir, en fait, cette chandelier qu'il regardait. Si le Seigneur ne lui avait pas donné la compréhension, ça veut dire les sept chandeliers, il n'aurait pas su. Donc, c'est le Seigneur qui parle, effectivement, de cette chandelier. Il dit, voici, et puis, le sept étoiles que Jean a pu voir. Il dit, mais j'ai vu cette étoile, j'ai vu cette chandelier, effectivement. Il dit, cette chandelier que tu as vu, voici ce que cela veut dire. Et les sept étoiles, voici ce que cela veut dire ainsi. Donc, Dieu a déterminé un temps, une période pendant laquelle, effectivement, l'Église passe dans cette période, effectivement, qu'on appelle cet âge de l'Église. Donc, c'est cela qui est écrit ici dans les Saintes Écritures. Et pendant cette période, effectivement, que nous devons voir, nous voyons, effectivement, qu'il y a aussi, en fait, le mouvement même du monde entier et les événements aussi qui concernent le monde, la progression, tant dans les domaines mondiaux que dans les domaines, effectivement, religieux. Et c'est cela que Dieu veut que nous, nous puissions être conscients pour que quand nous regardons la montre, s'il vous plaît, frères et sœurs, nous puissions savoir vraiment regarder l'heure de la bonne manière. Parce que les autres qui ne savent pas lire l'heure, effectivement, ils peuvent avoir une grosse horloge, mais ils ne seront pas vraiment bien lits. Mais toi qui es instruit à voir déchiffré correctement, tu regardes effectivement, tu dis, Seigneur, tu ne tardes pas. Mais il est en fait certain que, ah oui, certainement, c'est comme quand il était parlé effectivement du Messie qui devait venir, n'est-ce pas vrai? Amen. Évidemment, les autres pouvaient avoir des bruits, mais il y en a de ceux-là, effectivement, comme Siméon, ils attendaient le temps, il fallait d'abord que quelque chose soit passé d'abord. Vous savez, il fallait d'abord qu'avant que le Messie entre en scène, il fallait que Malachie, non? Amen. Donc Jean le Baptiste entre en scène. On essaie, non? Amen. Donc il y avait bien des étapes, effectivement, que les autres ne savaient pas, le monde ne savait pas, mais ceux qui étaient instruits. Vous vous souvenez, non? Pourquoi ils disent, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Vous vous souvenez? Amen. Quand ils sont venus vers Jean le Baptiste, ils lui ont posé la question. Il dit, es-tu le Christ? Non. Alors, es-tu Élie? Es-tu le prophète? Donc, effectivement, ils étaient instruits, sachant que, oh oui, avant que celui-ci n'entre en scène, il faut d'abord celui-là. Vous voyez? Donc, ce n'était pas des gens qui étaient comme les voisins, qui ne savaient absolument qui verront. On va faire. Non, non, non. Eux, ils savaient que non. Nous étions instruits dans le show de Dieu pour y aller bien l'horloge de Dieu. Savoir effectivement que, ah, quand l'aiguille penche comme ça, ça veut dire que c'est 13 heures. Vous comprenez? Quand il penche comme ça, ça veut dire que. Donc, en fait, c'est comme cela que nous, nous sommes censés pouvoir être. Quand nous avons réellement cette position que nous puissions voir, frères et sœurs, nous ne serons pas de ceux-là qui se refroidissent. Amen. Non, 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 non. Pourquoi nous sommes rétrogrades, effectivement, c'est parce que nous ne regardons pas de la bonne manière.
Ils disent, mais oui, mais le chant demeure comme ça, je vais à l'église, rien ne change, effectivement. Mais c'est parce que tu ne vois que les bancs. Tu ne vois que les hommes qui sont à côté de toi, ils commettent des erreurs, effectivement. Mais oui, mais c'est tellement, il fait ça. Mais tu vois simplement l'être humain. Amen. Mais tu ne vois pas l'autre dimension. Amen. Quand on passe dans l'autre dimension, on ne peut pas être froid. Amen. On est bouillant. Amen. Parce qu'on dit, oh mon Dieu, je vois les choses. Amen. Tu ne vois pas, dis, regarde bien, tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est absolument important que nous comprenions effectivement ce que Dieu fait, ce que nous sommes en rapport avec les choses de Dieu. Mais il faut que nous sachions que Dieu étant vivant, il fait les choses de telle sorte qu'effectivement que nous avancions, et surtout pour nous auxquels il a fait la promesse que le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. N'oubliez jamais cela, il est votre conscient que nous, nous le voyons. Et plus nous le voyons, et bien plus je suis bouillant. Plus encore ma foi s'est fortifiée encore davantage. Je ne peux pas rétrograder, même si le voisin fait n'importe quoi. Je ne m'occupe pas du voisin. Je regarde effectivement ce que je vois, moi, faire le Seigneur. Alors il dit ici, au chapitre 13 que nous avons lu avec vous, là c'est toujours Jean qui parle effectivement, auquel le Seigneur a eu à pouvoir montrer. Il dit, mais chapitre 13 d'Apocalypse, verset 11. J'aimerais que ce matin, vous puissiez voir quelque chose qui est très important aussi dans la marche du croyant et surtout en rapport avec l'Église aussi aujourd'hui, comment les choses avancent, surtout pour nous-mêmes, pour que nous soyons aussi conscients que le Seigneur, notre Dieu, il ne tarde pas, il ne dort pas, mais il travaille. Chapitre 13, verset 11, il dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Il fait bien la différence entre la bête qui est au chapitre 13, ici, verset 1, il dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait huit cornes, sept têtes et sur ses cornes, dix diadèmes et sur ses têtes, de noms de blasphème. » Et puis ici au chapitre 11, 13, pardon, verset 11, il dit, « Et puis je vis monter de la terre une autre bête. » Là, c'était de la mer qui nous a donc décrit, effectivement, c'est pourquoi elle a parlé une autre. Donc, de la mer, effectivement, et il voit effectivement une bête. Et comme vous souvenez bien, cette bête était la bête qui était la plus terrifiante de toutes les bêtes lorsque cette vision avait été donc montrée d'abord à Daniel, dans le livre de Daniel, au chapitre 7, au chapitre 8, nous y retournons tout à l'heure, Dieu voulant. Donc effectivement, c'était la bête qui était terrifiante par rapport aux autres bêtes, effectivement, d'avant. Et c'est là, quatrième, effectivement, elle était terrifiante, extrêmement aussi terrible et vraiment fort, effectivement. Et là, maintenant, Jean, c'est vrai que là, nous réalisons combien Jésus-Christ, notre Seigneur, il est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole de Dieu est toujours la même parole. Et vraiment, avec le temps qui avance, effectivement, Dieu manifeste en réalité ce qu'il a eu à pouvoir donner pour le temps. Parce que Daniel a eu à pouvoir voir la même chose, et ici, Jean voit la même chose aussi au chapitre 13, verset 1. Il nous décrit effectivement comment cette bête était. Donc, je le lis encore en fait pour rappel. Il dit, mais verset 2, « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Alors, il lui décrit qu'effectivement, que cette bête, effectivement, était une bête avec toutes les caractéristiques qu'on voit ici, dans le chapitre 13, verset 1. Verset 11, il nous dit, une autre bête, effectivement, qui, oh, elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc la forme, effectivement, que vous voyez de cette bête, effectivement, donc, qui est au verset 11, quand on la regardait avec, comme il dit ici, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, eh bien, c'était vraiment une image qu'on peut voir, effectivement, d'une bête tout à fait tendre. Hein. Vous savez, quand on regarde un agneau, les petites cornes sont des petites cornes, effectivement, de rien du tout, voyez-vous.
ces cornes-là, ce n'est pas que les cornes de l'agneau vont faire quelque chose effectivement, parce qu'on voit que quand on voit un agneau avec des cornes, ce n'est pas la même chose qu'un taureau. Vous lisez avec moi, non? Parce que bien, on dit bien ici qu'il y avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, pas semblables à celles d'un taureau, vous comprenez? Donc, je crois que chacun de vous a quand même pu voir quand même ce que c'est un agneau, quand même dans les étables, passer par là. Donc, on voit ces cornes, effectivement. Donc, quand on voit cela, on le voit tout à fait votre attention. On le voit qu'il est vraiment inoffensif. Parce que l'image que je donne ici, effectivement, c'est de dire, et c'est vraiment inoffensif avec des cornes d'un agneau. C'est vraiment inoffensif. Si on avait dit un taureau, là, on dit, ouh, ça va. Mais si, et d'un agneau, c'est inoffensif. Mais plus bas, on le dit, étant inoffensif, mais il parlait comme un dragon. Alors, on se rend compte d'une chose. S'il parle comme un dragon, c'est qu'il a l'esprit du dragon. C'est vrai, non? Et ici, là, au chapitre 13, le verset 2, il nous dit, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et verset 4, il dit, et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qu'il peut combattre contre elle. Donc on voit que dans cette bête, effectivement, au chapitre 13, qui était la plus effrayante, la plus terrible, effectivement, qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? On y trouve les dragons. Vous suivez? Et de l'autre côté, effectivement, on nous montre quelque chose d'inoffensif, effectivement. Et quand on regarde, même, il prend effectivement dans les bras. Mais là, on nous dit, oh là là, quand il a ouvert la bouche, effectivement, pour parler, c'était en fait qu'il allait comme le dragon. Donc, même esprit là-bas, même esprit ici. Regardez bien. Et puis, il dit, et cette bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Vous voyez bien que il y a une relation entre la première ici et celle ici, parce qu'elle exerce l'autorité, toute l'autorité de la première bête en sa présence, effectivement. Et puis elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Donc, elle travaillait effectivement pour que les hommes et les femmes, tous effectivement, puissent réellement se donner davantage à pouvoir adorer effectivement la première bête qui est donc ici, la bête chapitre 13, verset 1. Regardez bien, frères et sœurs. Celle-là, elle sort de la mer, et celle-ci, elle sort effectivement de la terre. Ce sont donc deux endroits différents. Vous savez, non? C'est quand même vrai, non? Mais ces deux endroits différents, ces bêtes ont une relation, en fait, les deux. Et celle qui sort, effectivement, de la terre, elle fait tout, effectivement, pour que tous, en fait, se soumettent, effectivement, qu'ils puissent arriver à pouvoir se donner et adorer, effectivement, celle-là qui sort, effectivement, de la mer, qui existe sous l'autorité, effectivement, et qui a reçu l'autorité, effectivement, du dragon. Et comme vous le savez, le dragon, les dragons, c'est les serpents anciens. C'est-à-dire le diable. Vous vous dites, mais frère, pourquoi tu nous promènes dans ces choses-là? Votre patience, s'il vous plaît. Amen. Je veux que vous compreniez ces choses, c'est nécessaire. Regardez bien. Allez, dis, mais elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Donc, en sa présence, effectivement, elle exerce son autorité. Et puis, il dit, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Donc, effectivement, que pour obliger la terre et ses habitants à adorer, il faut qu'elle ait la puissance de pouvoir soumettre aussi la terre. Vous suivez? Elle doit avoir la puissance de soumettre, effectivement, la terre. Aujourd'hui, quelle est la nation qui a la puissance de soumettre la terre à ses obligations? Vous la connaissez? Vous savez, elle a toujours été, en fait, le gendarme du monde. Parce que si vous êtes même dans le coin le plus reculé fait de la terre, il y a une monnaie que tout le monde connaît. C'est le dollar. L'Amérique, c'est ce continent qui a eu à pouvoir
dominer le monde, même dans le coin le plus reculé. Aujourd'hui, que ce soit en Russie, sur n'importe où, effectivement, on sait une chose, que l'Amérique, c'est la puissance mondiale. Elle a eu à pouvoir faire plier, effectivement, beaucoup de nations, dans la peur, effectivement, avec Nagasaki et Hiroshima. Vous connaissez ? La bombe atomique. Qui a fait qu'effectivement, que les nations, le monde entier, même, et les autres, effectivement, ont eu à pouvoir se rendre compte que non, nous avons en face de nous une puissance. Et si vous parcourez la terre, vous trouverez effectivement que l'Amérique, effectivement, a des coins, effectivement, presque dans le monde entier où il a son armée qui ici, effectivement, qui fait en fait des gendarmes, si vous voulez, et qui contrôle d'une certaine manière, effectivement, les autres nations. Mais vous avez remarqué une chose, frère, comment Dieu est tellement merveilleux. Il dit que, verset 12, chapitre 13, verset 12, il dit, mais elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Vous voyez cela? Donc maintenant, elle pousse les gens à pouvoir maintenant adorer la première bête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance qui était ici, comme étant effectivement celle qui soumettait effectivement le monde entier de cette manière, donc elle passe maintenant à la première bête. Ça veut dire que la première bête, effectivement, vous le savez déjà, n'est-ce pas? C'est donc l'Union Européenne. L'Empire Romain. Donc, les États-Unis, qui eux étaient réellement aussi la première puissance, la puissance mondiale qui contrôle tout, effectivement, qui domine sur tout, passe effectivement la puissance, le pouvoir sur la première. Parce que c'est elle, il s'est bien. Elle obligeait la terre, ses habitants, à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Vous le voyez, non? Donc, la première bête, effectivement, c'est celle dont, chapitre 13, verset 1, jusque au verset 3, où on nous parle effectivement que sa blessure mortelle fut guérie. Vous vous souvenez encore? Elle dit, elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous savez, quand on lit cela, je crois que j'avais touché un mot il y a longtemps, c'est simplement résumé pour que nous arrivions à ce que je voulais que vous fassiez attention. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ici, il y a quelques années, plusieurs années d'ailleurs, à l'époque où Saddam Hussein existait encore. C'était la première fois lorsque il y a eu donc ce conflit entre les États-Unis, alors quand Saddam Hussein avait envahi l'Irak. Il avait envahi le Koweït, parce qu'il avait dit que c'était le Koweït, il avait envahi le Koweït. Je ne sais pas si vous étiez encore mis, je pense qu'il quand même que vous devez quand même être au courant de cela. Il s'est passé qu'effectivement, que les nations se sont levées. Et on a eu des tractations, ça ne marchait pas. Ce sont les Américains qui se sont donc levés, effectivement, qui ont pris la décision de quoi? De frapper, en fait, Saddam Hussein, parce que les gens avaient peur de Saddam Hussein, disant effectivement qu'il a des bombes ici et cela, donc l'Europe avait tendance à pouvoir toujours être dans toujours une politique un peu flou-flou. Mais les Américains, non, se sont donc levés, parce qu'eux, ils disent qu'écoutez, mais s'il a envahi un pays qui est paisible, évidemment, ils avaient des intérêts, eh bien, il va encore continuer avec les autres, comme cela a commencé avec Hitler. Donc, si on est dans une tractation pour parler, effectivement, on va s'endormir, eh bien, on prend une décision, c'est laquelle on doit frapper. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont amené leur navire, effectivement, dans la mer. Pas en Irak, dans la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la première fois au monde que les nations sur la terre pouvaient arriver à pouvoir avoir une telle chose qu'ils n'avaient jamais vue. C'était quoi? D'apprendre pour la première fois que dans le monde, il existe des bombes intelligentes qu'on appelle des tomahawks, qu'on pouvait jeter d'un navire et qui vient, qui passe au-dessus de la Belgique sans tomber sur la Belgique, jusqu'à aller là où se trouve le palais Saddam Hussein et tomber dedans et exploser. De bombes intelligentes dans lesquelles on avait mis la carte géographique. Donc elle vient ici chez vous, elle trouve votre bunker, elle passe dessus, coupe comme ça, elle fait des courbes. Vous connaissez le GPS, non? Ah ben, alors les bombes munies des GPS.
Donc, on appelait ça des tomahawks. C'est avec des tomahawks lancés de plus loin qui partaient effectivement et qui allaient détruire des lieux bien ciblés. Pas un autre endroit, des lieux bien ciblés. Et tout le monde avait les yeux hagards comme ça, pour la première fois. Les États-Unis ont pu montrer leur puissance de frappe. Et puis là, c'est comme ça que la guerre a pu pouvoir cesser, effectivement. Ils ont montré qu'ils étaient aussi ceux qui dominaient en réalité sur eux. Donc, c'est un pays, effectivement, qui, dont la puissance de feu était quand même démontrée. Alors, on continue, verset 3, dit, mais elle, oui, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Regardez très bien. Ici, on nous dit bien que la bête, elle vivait. N'est-ce pas vrai? Donc, la bête, elle vivait, la bête existait effectivement. J'espère que vous comprenez, frères. Amen. La bête, elle existait, elle existe en fait. Et la bête, elle est là. Mais là, on nous dit qu'effectivement, qu'elle va demander qu'on fasse l'image. Regardez bien, frère. Il dit, mais elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. C'est clair encore. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Je me pose la question pour moi, savoir. Mais puisque la bête est là, vous avez poussé d'abord les hommes à pouvoir maintenant, à faire quoi? Adorer la première bête, effectivement. Et maintenant, vous demandez qu'on fasse l'image de la bête. Mais pourquoi? Puisqu'elle est là, la bête. Pourquoi vous nous demandez de faire l'image de la bête? C'est là que je voudrais que votre attention soit attirée. La bête est là. Vous manifestez la puissance pour que tous les habitants de la terre adorent la bête. Mais pourquoi vous demandez à ce qu'une image de la bête soit faite? C'est là qu'on comprend, mon frère et ma soeur. Pourquoi est-ce que la Bible, enfin l'Apocalypse, est un livre de symboles dont on doit arriver à pouvoir comprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on lit. Évidemment, si on lit ça, il va faire demander, mais ça, c'est quoi, en fait? Mais pourquoi faire l'image alors que la bête est là? Pourquoi l'image? C'est là qu'on entre, effectivement, dans la dimension spirituelle. On doit se poser la question, elle est très bien vraie. Qu'est-ce que c'est que la bête? Certainement, quand on a pris au chapitre 13, nous avons vu effectivement que c'est le dernier empire qui restera, ce qui existera sur la terre. Vous savez, non? Parce qu'on l'a décrit comme cela, effectivement. Donc, on dit que, voilà, et puis quand on a vu l'autre, effectivement, il s'agit, le deuxième, effectivement, dit, puis l'autre bête, effectivement, s'il s'agit du continent américain, effectivement, des États-Unis, et on l'a compris, effectivement. Alors qu'il fait tout pour qu'on puisse arriver adorer la première bête, et puis maintenant il parle de l'image effectivement de la bête. Frère, tu t'en prie. D'abord, la bête, c'est quoi? C'est un empire qui existera. Maintenant, on nous parle maintenant de l'image. On a d'abord parlé et fait tout pour que tous les habitants de la terre se tournent vers l'image. Vers la bête, pardon. Et puis maintenant, il parle maintenant qu'il doit faire l'image de la bête. Alors, regardez, frères et sœurs. Lorsque nous avons lu avec vous dans les Saintes Écritures, en rapport avec les empires, nous avons lu dans le chapitre 17 d'Apocalypse. Vous vous souvenez encore? Est-ce que vous vous souvenez? J'ai comme l'impression que... Qui se souvient? Alors moi, je me pose la question de pouvoir savoir, lorsque nous, la parole est apportée ici, vous êtes où? Vous êtes quand même ici, quand même. Alors, peut-être que, effectivement, mais regardez. On a bien vu les empires. Vous vous souvenez encore de Nebuchadnezzar? L'empire médo-perse, vous vous souvenez? Amen. L'empire grec, vous vous souvenez? Amen. L'empire romain, vous vous souvenez? Amen. Chapitre 13, vous vous souvenez encore?
tout ce qui était comme les caractéristiques dans chaque empire, commençant par l'empire babylonien, vous vous souvenez ? N'est-ce pas vrai ? Se retrouve maintenant dans le dernier empire. C'est pourquoi ces derniers empires, frères et sœurs, nous n'avons pas le temps que je rentre dedans encore aujourd'hui, parce qu'on n'arrivera pas à ce que nous devons écouter aujourd'hui. Regardez très bien, je vais faire un petit résumé rapidement. Chaque empire avait sa spécificité. Babylonien, Médo-Perse, Grec et Romain. Daniel 7, Daniel 9. Vous vous souvenez ? Et quand Daniel a eu la vision de ces quatre grands animaux, comme on l'appelle effectivement, c'est le quatrième qui l'avait beaucoup frappé. Et il fut vraiment dit, mais c'était un animal tellement terrifiant. Il a voulu savoir sa signification. On lui a dit, le quatrième animal, c'est le quatrième empire, royaume qui existera sur la terre. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous vous souvenez maintenant? C'est comme ça qu'on avait pris cela, on est parti chapitre 13, non? Pour montrer qu'effectivement, que dans l'actualité, aujourd'hui, effectivement, ben, il existe déjà. Et ces caractéristiques, effectivement, sont que tous ceux qui étaient comme tous les démons, toutes les choses aussi mauvaises qui étaient dans l'empire babylonien, on a retrouvé dans l'empire, effectivement, Médo-Perse, l'empire grec, effectivement, et donc même tout cela se sont déversés dans le dernier. C'est pourquoi les derniers étaient très effrayants. C'était quelque chose de tellement si terrible, effectivement, parce que tout ce qui était mauvais s'est déversé là-dedans. Mais c'est sûr et certain, mon frère. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le dernier âge. Amen. C'est la dernière phase, mon frère. La phase culminante, effectivement, la Bible nous fait savoir que les dragons lui ont donné son autorité. Donc, ça dit que le dragon, maintenant, va arriver à venir prendre possession de cela. De même que le Seigneur Jésus-Christ va se délaisser dans le corps de Christ. Satan doit aussi s'incarner dans les cieux. Est-ce que vous suivez? Amen. Alors, nous revenons maintenant dans le chapitre 13, le verset 14 que je disais. Dit, elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était. Voyez-vous pourquoi je disais tout à l'heure que tout le monde ne peut pas comprendre le problème? Parce que quand on prêche l'Apocalypse, les gens sont distraits, ils disent, mais bon, c'est quoi effectivement? Mais il faut prêter attention, parce que ce qui est écrit là te concerne toi, mon frère. Te concerne toi, ma soeur. Parce que quand on a parlé effectivement en rapport avec Daniel, vous devez être concernés, frères et sœurs. Parce que toutes ces choses-là, c'est pour que vous sachiez, Seigneur, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est important, parce que si vous ne saisissez pas cela, comme je disais tout à l'heure, effectivement, vous allez comprendre pourquoi c'est nécessaire pour vous et moi de saisir ce que nous lisons dans l'Apocalypse, frère. Pour ne pas penser effectivement qu'on nous raconte. Ce n'est pas une histoire, mais c'est un événement qui est très important pour vous, sœurs. Même si vous, sœurs âgées, j'ai toujours la voix d'ici. Ici, je prêche en français. Il y a des frères et des sœurs qui parlent votre dialecte. Si vous n'arrivez pas, c'est pourquoi il ne faut pas être là en train de bailler, non. Si vous n'avez pas compris le français ici avec les termes aujourd'hui, effectivement, demandez, on va vous donner un frère qui parle votre dialecte ou une sœur qui parle votre dialecte de manière à ce qu'il puisse vous traduire. Si, peut-être, je ne sais pas moi, quelle langue, je ne sais pas moi, en disant, je ne sais rien, ou en disant, vous voulez un frère, on va mettre de l'argent pour les traductions, effectivement, des écoutes. On a des appareils ici. Amen. Donc, il ne faut pas que vous soyez là-bas quand on dit un mot, vous ne comprenez pas, demandez. Donc, on peut vous expliquer dans votre langue maternelle. On a des frères ici qui doivent être là pour vous aider, effectivement, pour que vous compreniez, enfin que vous ne me regardez pas comme ça, mais que vous saisissiez, effectivement, ce qui est nécessaire. Alors, dois-je retourner maintenant dans le livre de Daniel? Retournons dans Daniel. Peut-être que, Daniel au chapitre 7, peut-être bien pour que les choses soient un peu comprises. Bon, on sera béni avec mes frères. Alors, nous allons peut-être lire dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Daniel chapitre 7, et lisons à partir du verset 1, dit « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe, et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche,
Ensuite, il écrivit les songes et raconta le principal show. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents de cieux firent irruption sur la grande mer, et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Vous suivez? Amen. Si vous prenez dans le chapitre 13 d'Apocalypse, verset 1, on dit bien, « Puis je vis monter de la mer. » N'est-ce pas vrai? Amen. Les quatre grands animaux sortirent aussi de la mer. N'est-ce pas vrai? Amen. Nous continuons, pas de la terre, nous continuons. Il dit, « Le premier était semblable à un lion, et voici des ailes d'aigle, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut donc enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, un cœur d'homme lui fut donné. » Eh bien, ça, c'est l'Empire babylonien. Vous vous souvenez, non? Amen. Vous vous souvenez, non? Amen. Quand même avec Daniel chapitre 2, Amen. Que vous vous souvenez. Amen. Quand Nebuchadnezzar avait eu son songe, effectivement, avec la statue, effectivement, dont il avait oublié, mais que Daniel lui a rappelé en lui disant, mais tu es la tête d'or, donc, roi. Nebuchadnezzar, donc, c'était donc l'Empire babylonien, effectivement. Donc, ça, c'était donc le premier. Donc, le deuxième, voici un deuxième animal était semblable à un ours. Vous suivez avec moi? Et c'était né sur un côté, il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange, et beaucoup de chair. Et puis, ça c'est l'Empire Médo-Perse, vous vous souvenez encore, non? Quand l'Empire babylonien est passé, nous sommes par cet empire-là. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard, et avait le dos, avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et sa domination lui fit donc donner. Vous connaissez, non? Amen. L'Empire grec, comment il s'est divisé, ainsi de suite. Amen. Vous vous souvenez encore? Amen. J'en avais parlé ici il y a longtemps avec Alexandre les Grands. Si, bon, il y a longtemps. Bon, alors maintenant, quatrième. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait brisé et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. N'est-ce pas? J'ai considéré les cornes et voici ainsi. Verset, je ne prends pas verset de ce suivant, il nous dit ici. Verset 4 dit, moi Daniel, j'eus donc l'esprit troublé au-delà de moi, et les visions de ma tête me frayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit à m'en fournir l'explication. Il dit, mais ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont donc le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terribles, qui avaient des dents de fer et des ongles des reins, qui mangeaient, brisaient, tuaient au pied ce qui restait. Alors il dit, vous voyez effectivement ici, au verset, je pense que oui, verset 24, il dit, vas-y, pour ça. Il dit, je vis cette colère faire la guerre au Saint jusqu'au moment où le Saint ancien s'est donné. Il me parla, verset 23, il dit, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tout le royaume et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. N'est-ce pas? Amen. Vous suivez? Amen. C'est exactement ce qu'il vient de voir ici au chapitre 13 d'Apocalypse. Il voit que, comme nous avons vu, nous venons de lire effectivement, chaque royaume avait sa spécificité, n'est-ce pas vrai? Amen. Et ici, on trouve que le dernier ici, il a enveloppé tout. L'ours, le léopard, comme ici, puis je vis monter, chapitre 13 d'Apocalypse, verset 1, puis je vis monter de la mer, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna. Donc, vous voyez, effectivement, tous ceux qui étaient auparavant se sont retrouvés, en fait, dans le dernier, donc, et le dernier empire, donc, royaume, qui existera sur la terre. Eh bien, c'est dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui.
c'est-à-dire l'Empire romain, ça vous savez, non? Amen. L'Empire romain où nous sommes donc la communauté économique européenne, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, nous retournons au chapitre 13, verset 14. Elle dit, et cette autre bête, effectivement, qui sort donc de la terre, elle séduisait donc les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Vous suivez cela? Donc, cette bête, effectivement, elle est là. Regardez bien, frères et sœurs. Et cette bête, effectivement, c'est un royaume. Donc, l'empire, effectivement, qui va exister et qui existe déjà sur la terre, donc qui dominera sur la terre tout entière. Mais là, il avait dit, effectivement, de faire une image. Disant aux habitants de la terre, effectivement, de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Nous avons donc la bête, effectivement. Pourquoi en faire une image? À quoi va servir l'image, effectivement? Vous vous souvenez maintenant, comme je disais, quand on avait vu, effectivement, aussi c'est chapitre 13, je vous ai lu dans le chapitre 17. Qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre 17? Et là, nous avons vu qu'effectivement, que dans le chapitre 13, l'empire, la bête, effectivement, ici, c'est bien l'empire romain actuel. La communauté économique européenne actuelle. Vous souvenez, non? Amen. Et maintenant, quand on a pris le chapitre 17, effectivement, nous avons lu avec vous quelque chose ici, je vais vous le dire encore rapidement. Il dit, verset 1 dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes sceaux. Vous suivez? Amen. On nous a parlé de la mer, n'est-ce pas? La bête qui monte de la mer, n'est-ce pas vrai? Amen. Vous vous souvenez? Amen. Et ici, on nous parle effectivement de la prostituée qui est assise où? Regardez très bien, hein? C'est de prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La bête ne sort pas de la terre, mais de la mer. Et ici, on nous parle effectivement des grandes eaux. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Ok, nous continuons. Dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous voyez la relation? Nous étions dans le chapitre 13. Que Dieu nous aide, frère. Dans le chapitre 13, regardez très bien, s'il vous plaît, frères et sœurs, on nous parle effectivement que la bête va pousser tout le monde. Regardez bien, je vais relire encore ici au verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas? Amen. Non? Donc il s'adresse bien aux habitants de la terre. Et c'est cette bête-là qui... Elle séduisait les habitants de la terre. Donc ça dit qu'un rapport avec première bête et puis les habitants de la terre, effectivement. Et là, on vient de lire quelque chose, effectivement. On nous parle, on saute de là, on passe à ce moment-là. La grande prostituée, vous allez saisir, frère. La grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux, n'est-ce pas vrai? On nous décrit cette prostituée effectivement comme celle qui a fait, effectivement. Et c'est avec elle que les rois de la terre sont donc livrés à la débauche, du vin de sa débauche, que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc ils sont devenus ivres. N'est-ce pas vrai? Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme donc assise, parce que vous avez entendu, non? Voici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et des cornes. N'est-ce pas vrai? La femme, effectivement, avec qui a fait donc toutes ces choses aussi bonnes avec le roi de la terre, effectivement. N'est-ce pas vrai? Et cette femme, effectivement, on dit qu'elle était assise sur une bête écarlate. Cette bête avait sept têtes et dix cornes. Chapitre 13, qu'est-ce qu'on lit? On lui dit effectivement que puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. N'est-ce pas vrai? Et là, on voit que la femme ici est assise où c'est sur la bête. Alléluia.
Je vous ai donné une image, frère, ici, en disant, un cheval, il est puissant, n'est-ce pas? Mais qui est-ce qui domine le cheval? C'est le cheval qui domine le cheval? Non, l'homme qui est sous le cheval. Donc toute la puissance, maintenant, ça appartient à l'homme qui est dessus. Celui qui dit, va là-bas, va ici, effectivement. Donc, la puissance du cheval est utilisée par l'homme qui domine. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Alors, il est bien dit, effectivement, qu'il doit faire l'image. Alors que la bête est nommée, effectivement. Donc, on doit faire l'image de cette bête. Que Dieu nous accorde. S'il vous plaît, frère, regardez-moi. Quand je mets un miroir ici, je le mets ici. Lui, le frère, quand il regarde le miroir, il va voir quoi? S'il vous plaît, il va voir quoi? L'image reflète qui? La personne. Donc, quand lui regarde l'image, le miroir, effectivement, il voit son image. Donc, l'image reflète la réalité de cette personne-là. N'est-ce pas vrai? Et ici, on dit que cette deuxième bête, effectivement, donc ceux qui sont, effectivement, de la terre, et va pousser les habitants de la terre. Je le lis encore avec vous, regardez bien, chapitre 13. Il dit, elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné d'opérer en prison de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Vous suivez cela? Amen. Et la Bible est claire, hein? L'a bien précisé. Il pouvait dire aussi, ici, de faire une image de la bête qui sort de la terre. N'est-ce pas vrai? Non, il a bien précisé. De faire une image de la bête qui avait, qui est blessée par l'épée et qui vivait. C'est laquelle? Chapitre 13, verset 1. Vous suivez cela? Amen. Donc, elle travaillait pour cela, pour que cela puisse arriver à pouvoir faire en sorte que les habitants de la terre arrivent à pouvoir voir effectivement cette image. L'image de qui? Une image précise de cette bête-là qui avait donc été blessée mortellement et qui fut donc guérie. Frère, mais qu'est-ce qu'il y a en tout cas? Regardez une chose là. Regardez, nous descendons de l'écriture, regardez. Le verset suivant, il dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, vous suivez, afin que l'image de la bête parle. C'est merveilleux, l'écriture est clairement. Il dit, il lui fut donné d'animer, parce qu'une image, vous voyez ce que c'est qu'une image? Quand le frère regarde l'image, c'est l'image. Mais maintenant, là, on précède afin que l'image puisse. L'image doit arriver à pouvoir parler. C'est quand même extraordinaire, non? Oui, oui, ma soeur, c'est la vérité. C'est quand même, quand on lit, c'est quand même extraordinaire. Et la parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Dieu est précis. Hein? D'animer l'image. On doit animer l'image. Et maintenant, afin que cette image, effectivement, puisse arriver à pouvoir parler, effectivement, afin que l'image de la bête parle, écoutez bien, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Vous suivez cela? On arrive maintenant, c'est que on arrive à quelque chose de très important. Il est l'adoration de l'image de la bête qui est l'adoration de la bête en soi. N'est-ce pas vrai? Et il dit ici, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Là maintenant, on arrive à quelque chose de beaucoup plus clair. Tout ce qu'on visait, effectivement, c'était qu'on arrive à ce que la marque, quelque chose qui montre que c'est une propriété d'eux. Alléluia. Donc, la bête doit arriver à pouvoir marquer. Il faut que... Vous avez remarqué, frères et sœurs, ici,
Il y a une chose qui est en train de pouvoir se faire. Votre attention, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Nous avons souvent à pouvoir l'entendre ici du haut de la chaîne. Et ça, c'est quelque chose qui va être marqué dans chacun de nous tous. Avec Dieu, il n'y a pas d'obligation. Amen. Donc, avec Dieu, c'est le libre arbitre. Amen. Vous voulez, ça va. Vous ne voulez pas, c'est votre droit. Mais là, ici, il n'y a pas de libre arbitre, messieurs. Non, messieurs. Là, vous êtes obligés, en fait. C'est-à-dire qu'on vous pousse dans quelque chose dans lequel vous devez aller jusqu'à ce que la marque soit posée sur vous. Mais regardez maintenant une chose qui est faite ici, qui est montrée. La Bible utilise une expression, bien un verbe, effectivement. Il dit, mais elle séduisait. Jamais Dieu ne peut séduire quelqu'un. Amen. Amen. Vous voyez la différence entre le verbe séduire, n'est-ce pas? Parce que vous voyez, quand on parle que séduire, et quand on parle séduire, il faut qu'on tourne à la Genèse. Amen. Pour savoir effectivement qui est à l'origine de la séduction. Le serpent séduisit elle. Amen. Donc, effectivement, cet esprit, en réalité, c'est pourquoi, bien prêter attention, mon frère, ma soeur, soyez pas fatigué, mais prêter attention, c'est très important. Parce que tout ce que nous entendons ici, a à voir avec votre travail, dans le lieu où vous travaillerez, parce que vous allez faire, effectivement, tout ce que vous allez faire demain, après-demain, ce qu'on entend ici, vous concerne. Amen. Il est bien parlé, personne ne peut ni acheter, ni vendre. Et frère, vous travaillez, non? Vous achetez aussi, non? Donc ça a à voir avec votre vie de tous les jours. Messieurs, je ne vais rien entendre de la presse, il n'y a pas de problème. Mais tu seras dedans. Mais sûr et certain, nous y allons. Oh, c'est une chose, je ne comprends pas. Messieurs, il faut bien comprendre. Parce que tu es dedans. Et il dit bien, chaque mot est pesé, mais est séduisé. Donc ça dit que donner en fait une image qui n'est pas vraie en fait, pour te pousser à tomber quelque part. Amen. Et quand tu es tombé là-dedans, tu es lié. Amen. C'est comme cela que le serpent a eu le pouvoir réellement. Ben, vous remarquerez très bien, frère et soeur. C'est parce que je n'ai pas le temps, beaucoup de temps, mais je voudrais vous montrer étape par étape. Vous remarquez très bien, frère, combien c'est tellement précis dans les choses de Dieu pour nous, en fait, afin que nous puissions arriver à pouvoir savoir comment agir effectivement dans le temps dans lequel nous sommes et comment aussi la victoire, nous pouvons réellement aussi l'avoir. Est-ce que vous réalisez? Vous avez remarqué effectivement que, en parlant, quand je vous ai parlé tout à l'heure de la bête, je vous ai parlé de l'image, vous avez un petit clé aussi. Mais chaque parole que les Saintes Écritures utilisent est très importante. Je vous ai dit que la bête, effectivement, c'est l'empire. Il dit, mais là, on nous parle effectivement de l'image. Alors, à quoi ça servirait, puisque c'est elle qui domine? Pourquoi faire l'image, effectivement? Qu'est-ce qu'il y a en dessous qui s'étonne, effectivement, et que nous devons savoir? Parce que quand Satan fait que... Satan est très rusé. Lorsqu'on parle de la séduction, il sait comment séduire les hommes. Ah oui, monsieur. Ah oui, monsieur. C'est le maître de la séduction. C'est l'inventeur de la séduction. Donc il sait comment il va pouvoir faire. Regardez très bien. On parle de l'image, effectivement. Alors regardez très bien, frère. Et plus bas, on va jusqu'à nous parler maintenant de la marque de la bête, effectivement. Après avoir parlé de l'image, effectivement, on nous parle de la marque de la bête sur le front, sur le bras, sur la main. Vous venez? Bon, regardez maintenant ce que l'Écriture dit. Regardez bien. Le verset 16, il dit, elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nom, le nombre de son nom. Vous suivez? Je vais vous montrer quelque chose. Verset 16, il dit, c'est ici la sagesse. Et c'est lui qui a de l'intelligence. Maintenant, regardez très bien comment l'Écriture dit. Calcule le nombre de la bête. Je vous ai parlé tantôt. En disant, la bête, prêtez attention, s'il vous plaît.
La bête, c'est le dernier empire, n'est-ce pas vrai? On voit l'empire. Et puis j'ai dit, mais et puis on a dit l'image de la bête. Pourquoi faire une image à quelque chose qui existe déjà? Effectivement, donc les hommes doivent adorer l'image. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a en réalité avec l'image? N'est-ce pas vrai? Je vous ai demandé, est-ce que quand je mets un miroir devant mon frère Jonas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son image. L'image reflète qui? La personne, n'est-ce pas vrai? Et en lisant avec vous dans chapitre 13, je suis là avec vous au chapitre 17. Je vous ai parlé de la femme. Qui est assise sur les bêtes écarlates, n'est-ce pas vrai? On a vu que cette femme, évidemment, que la bête, c'est-à-dire que l'Empire romain, n'est-ce pas vrai? Et la femme prostituée, vous connaissez qui elle est, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien ici. On le dit ici, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Maintenant, on nous parle du nombre de la bête, n'est-ce pas vrai? Maintenant, il est très bien dit, mais car c'est un nombre de qui? D'un empire? Non. D'un royaume? Non. C'est un nombre? Non. Alléluia. On revient à ce que. Il s'agit quand même d'un homme. Oui. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, regardez très bien, frères. Est-ce que vous avez saisi? Amen. Bon, que Dieu nous aide. Je parlais de l'empire. La bête, il s'agit d'empire. N'est-ce pas vrai? L'empire romain qui existe sur la terre. N'est-ce pas vrai? Et quand on a quitté là, on a vu au chapitre 13, effectivement, ce qu'il en est, effectivement, parce que c'est l'Empire romain. Et puis, on est allé au chapitre 13 en voyant une autre bête qui sort. Je ne vous ai pas aux États-Unis, n'est-ce pas vrai? Et puis maintenant, on est arrivé à ce qu'on parle de l'image de la bête. N'est-ce pas vrai? En fait, ici, je le dis encore bien pour que vous puissiez le voir, elle séduisait, verset 14, les habitants de la terre par les prodiges qui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Maintenant, je vais quand même vous amener à ce que vous puissiez bien voir, pour l'amour de Dieu. J'aurais aimé avoir mon tableau ici. Oui, oui. Pour que vous puissiez arriver à pouvoir voir les étages de l'église. Vous savez, avant l'âge de l'Odyssée, c'est quel âge qu'il faut? C'était Philadelphie. C'était Philadelphie, hein? Bien que c'est cela, parce que juste rapidement pour vous montrer quelque chose. Chapitre 3. Voilà. Dans le chapitre 3, verset 1. On aura dit de verset 2. Verset 2, verset 1. Chapitre 1. Alors, oui, voilà. Le jour ici. Verset 11, jusqu'à verset 11, chapitre 1, verset 11, il dit ce que tu vois écrit dans un livre et envoyé au sept âges, au sept églises, pardon, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, suivez, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Donc, vous avez l'Odyssée, vous avez Philadelphie, vous avez Sardes. Amen. Suivez. Bon, vous voyez ici ma main. Vous avez ça, n'est-ce pas vrai? Vous avez Philadelphie, n'est-ce pas vrai? Et vous avez l'Odyssée, n'est-ce pas vrai? Ok. On nous parle, bien je veux que vous puissiez voir. On nous parle effectivement ici que la bête, effectivement, j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et ici, on nous dit aussi, au verset 14, et séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Sardes, Philadelphie, n'est-ce pas vrai? Laodicée. Sardes, vous vous souvenez encore? C'est là que le protestantisme a commencé. Avec qui? Avec Luther, monsieur. Vous voyez? Ici, avec Luther, c'est ensemble, non? Ici, c'est avec Luther, ensemble. Alors, vous savez que on dit bien que la bête qui était, qui n'était plus, mais qui revient. Vous vous souvenez, non? Il s'agit de la romaine, n'est-ce pas? Je vous en ai parlé pour vous ici. C'est pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, à Sam?
Il est parlé ici de l'épée, n'est-ce pas vrai? Regardez. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, frère. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Merci beaucoup. Il s'est passé ici, effectivement, il est parlé ici, il dit la bête qui avait été blessée par l'épée. La bête qui a été blessée par l'épée. Voyez-vous quand même la taille quand même de l'Empire, non? Quelle est l'épée qui sur la grande épée qui peut blesser l'Empire? Mais quand on parle de l'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Luther, quand il va, c'est là que l'épée a frappé. Alléluia. Il a frappé qui? L'Église catholique. Amen. Vous voyez la relation entre la bête. Je voulais que vous puissiez voir comment les choses se sont appliquées. On a parlé de l'homme vers la fin. C'est un nombre d'hommes. Est-ce que vous suivez? Je vous ai ramené, frères et sœurs, à voir celui qui monte sur la bête. Est-ce que vous suivez? Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Donc, regardez très bien. Il est parlé effectivement de l'image de la bête. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est l'Empire romain rétabli. Et c'est la bête. Donc, ici, on nous parle effectivement de l'image de la bête. Là, on nous fait savoir effectivement que si celui qui a sa calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. N'est-ce pas vrai? On passe de l'Empire à un nombre d'hommes. Ça veut dire que l'image que nous avons ici, effectivement, doit avoir en fait en réalité une relation avec quand même l'Église catholique. Vous me suivez? Amen. Parce que, frères et sœurs, il nous a bien dit ici, regardez très bien, je relis ici avec moi plus bas, il dit, verset 17, il dit, « Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » C'est ici donc, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Le nombre de la bête. Donc savoir avec la bête, c'est un nombre d'hommes. N'est-ce pas vrai? Et son nombre est 666. Vous le savez, non? C'est Vicarius Filidei, vous le savez. Vicarius Filidei, vous le trouvez où? Mais c'est sur le pape, non sur la terre des papes. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit bien que, écoutez bien, qui calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Et on trouve sur le pape Vicarius Filidei. Vous savez ça, non? Amen. Vicarius Filidei. Donc c'est sur lui. Donc maintenant on comprend effectivement que quand on nous parle aussi de la bête, effectivement, quelle relation y a-t-il effectivement entre lui et la bête? C'est que la bête et lui. Regardez maintenant, s'il vous plaît, pour que vous puissiez voir. Regardez. En fait, regardez bien. Ici, on lui dit quoi? Regardez bien. Il dit, il lui fit donner, en fait, d'animer l'image de la bête, en fait, que l'image de la bête parle. Puisque cela est en rapport avec l'homme dont on a eu à pouvoir voir, effectivement, le nom de la bête. En fait, l'image de la bête, effectivement, il s'agit de quelque chose qui doit refléter en réalité ce que la bête est. Ça reflète, n'est-ce pas? Ça reflète, n'est-ce pas? Bon, comme nous l'avons pu voir avec vous, on nous a dit effectivement que les dragons lui donna son autorité. Donc, la bête, c'est vraiment la propriété du dragon, et le dragon est identifié dans elle. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Bon, parce que la Bible est claire. Il dit, c'est les dragons, donc c'est les serpents anciens. Vous avez compris ça? Amen. Si on entend serpent ancien, on retourne où c'est? Dans la Genèse. Bon. Alors, dans la Genèse, nous avons vu qu'il y avait l'homme que Dieu avait créé, puis la femme. Qu'est-ce qu'ils avaient? Qui était en communion avec Dieu. Amen. Il aimait son Dieu, il priait son Dieu, il adorait son Dieu. Tout allait tellement si bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les dragons qui vinrent. Quand Satan est venu, quel était son but? C'est de donner notre religion à l'homme. De faire en sorte que l'homme n'ayez pas la foi dans la parole de Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait faire à Ève? Dieu, écoutez très bien, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il a fait que Ève puisse raisonner sur la parole de Dieu et arriver à avoir quoi? Le doute. Quand on a le doute, c'est la crédulité. N'est-ce pas vrai?
La marque de la bête, en fait, c'est l'incrédulité à l'endroit de la parole de Dieu. Je vais vous le montrer dans cette écriture. Regardez. Pourquoi j'ai dit que ce matin, vous devez prêter attention, frères et sœurs. C'est tellement important pour chacun de vous, pour que vous puissiez arriver à pouvoir réaliser, frère, qu'il y a la marque de la bête, il y a aussi le sceau de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a la marque de la bête et le sceau de Dieu. Amen. Vous avez remarqué qu'effectivement, qu'il est parlé effectivement de l'adoration de la bête et de l'image de la bête. Vous me suivez? Amen. Bon, tous ceux qui reçoivent la marque de la bête, ce sont tous ceux-là, effectivement, qui vont se tourner vers l'adoration et de l'image de la bête, et aussi de l'adoration de la bête. Vous suivez cela? Remarquez bien comment aussi les choses sont assez aussi claires ici, dans les Saintes Écritures. Il est parlé de la marque, et il est très bien. Enfin, je vais vous montrer quelque chose. Il dit ici, le verset suivant, verset 16. C'était très verset 16. Il dit, elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite, et sur leur front, vous suivez? Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est là que j'ai dit, vous devez prêter attention. Certainement, il est parlé de la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Je vous ramène encore dans le livre de la Genèse, effectivement. Regardez une chose. Genèse chapitre 3. Verset 1 dit, les serpents, comme on dit les serpents anciens, étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous voyez la question, hein? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a pris la parole de Dieu. D'abord, il a placé la femme sur une place effectivement déjà glissante. Il a mis déjà du savon qui glisse. Votre attention, s'il vous plaît, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu. Même vous, les nouveaux, s'il y a des questions, je suis toujours là, vous pouvez me voir n'importe quel jour que vous souhaiterez, vous m'appelez, on peut prendre rendez-vous, je peux m'asseoir avec vous, même du matin jusqu'au soir, je suis là disposé pour vous. Il n'est pas, nous ne comprenons rien, je veux que vous compreniez aussi. Alors, regardez bien. Satan a placé déjà la femme sur une pente déjà glissante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà préparé déjà l'église. Elle vient, il vient, il dit, d'abord, le regarde, elle aussi le regarde, il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez d'abord? Donc, il est là, sous une pente déjà très glissante. Vous comprenez cela? Donc, Dieu a-t-il, mais si Dieu a déjà dit, il faut qu'on dise, si Dieu a-t-il réellement? Parce que si tu me dis réellement, c'est me pousser à quoi? À penser, sous la pente glissante, tu me places. Écoutez bien. C'est un mauvais, il est vraiment diabolique. Amen. Frère, sœur, c'est la chose la plus... Non, Père, que Dieu ait pitié de nous. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? S'il dit Dieu a dit, est-ce que Dieu a dit? Donc c'est aussi autre chose. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Vous me suivez? Amen. Réellement dit. Donc c'est quand on te dit, réellement dit. Parce que c'est les mots que vous entendez, non? Réellement dit. Ah, je dois réfléchir là. Et puis, après maintenant, il lance la bombe. Que vous, écoutez bien. Il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous avez la question? Dieu n'a pas dit comme ça. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais l'arbre, la cause du bien du mal, vous ne mangerez pas. Voyez-vous comment la parole était? Mais lui, il vient dire, mais Dieu, t'as d'abord placé sur la pente glissante. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, parce que Dieu les a twistés dans la tête. Mais oui, ça, c'est pour ça que vous êtes. Mais attends, si on devait écouter la parole, mais en fait, votre pensée est twistée. C'est vrai, frère. La preuve, c'est que vous sortez, vous n'avez, vous savez, il vous manque. C'est pas que Dieu vous le donne, mais c'est vous, en fait. Pourquoi vous êtes froid? Pourquoi, effectivement, que pour les choses de Dieu, effectivement, vous n'êtes pas bouillant? Pourquoi vous êtes bouillant pour chercher l'argent, pour ceci et cela? Ce sont des choses qui ne sont pas tellement si importantes. Parce que l'argent et tout ça ne vous sert pas à grand-chose. Vous direz aux frères, mon frère et ma soeur, la nourriture, c'est quand même pas vous, c'est quand même Dieu qui vous pourvoit. Amen. C'est vrai ou pas? Amen.
Le Seigneur Jésus, je vais servir de cet exemple pour que vous compreniez. Le Seigneur, la carte est obligée à travailler, travaillez mal. La carte est obligée à travailler, travaillez pour le Seigneur. Mais quand il devait payer l'impôt, quand il devait payer l'impôt, vous savez ce qui s'est passé? Attraper le poisson, ouvre la gueule du poisson, l'argent était là. Qui avait placé l'argent? C'était bien Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour que vous sachiez que pour un croyant, Dieu pourvoit dans tous les domaines. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que je sois un chômeur. Mmh. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, monsieur, c'est pour dire que même si tu as un poste de travail et les autres gagnent des millions, c'est pas ça qui est important pour toi. Amen. C'est Dieu qui pourvoit pour ton esprit. Amen. Amen. Donc, c'est nécessaire. Non. Comme nous disons. Non, c'est pour dire que il faut que vous prêtiez vraiment attention. Vous, en fait, nous les hommes, Satan est tellement visé. Il nous a fait suivre des choses tellement futiles. Je vous donne simplement un exemple, frère. Chacun de nous sommes dedans. Regardez bien. Aujourd'hui, avec vos téléphones qu'on appelle les smartphones, est-ce que vous avez vraiment des conversations avec vous à la maison? Non. Votre femme, votre fils, votre femme, votre tout le monde. Fiverr, donc, non, c'est vrai, vous ne vivez plus. Qui m'a écrit, Fiverr, vous savez. Et puis, en plus, on ne regarde pas nos prix, je ne sais pas de tous les messages satanés. Vous allez avoir de tout dans votre appareil. On ne dort plus. Et puis, parfois, les autres m'ont dit, quand il vient à 5h du matin, je suis endormi. Donc, quand tu veux le connecter, tu dis, oh, je suis maintenant endormi. Donc, tout est dit. Où je suis à table, je suis dans... C'est-à-dire que, et maintenant, comme je dis, vous savez, on expose la vie de tout un chacun. Maintenant, on vous suit sur les Twitter. Tous les jours, vous comprenez? Donc, ça, vous savez, frère, vous prenez que c'est un vieux qui vous parle, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes devenu esclave. Vous, regardez bien, quand vos Viber se met en marche, avez-vous le temps de lire la Bible? C'est José, pas José, pas toi. Mais c'est José, c'est Christo, c'est Capita. Pourquoi? On dit, ça, Gabriel est tranquille. Tu peux Gabriel. Oh, Jacobine est qui? Donc tu n'as pas le temps, tu vas chez Gabin, Jacobine, et puis Astorato, tout le monde. Et puis il dit, mais cuisine, tu n'as pas. Ah, j'ai oublié la cuisine. Même s'il a bien sur la cuisine. Oui, Jacobine, ça brûle. Pourquoi? On a ici. Enfin, on a ici smartphone, tablette ici. Mais c'est plus rien faire. T'as pu cuisiner comment avec la bouche. Mais c'est vrai, frère et soeur. Satan est très rusé. Il a emprisonné les gens, ça c'est la compte. Donc les gens sont mis prisonniers. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, frère. Il prend. Nous devons racheter le temps. Ok, oh oui, je suis Dieu, c'est pas un problème. Alléluia. Il vient et dit. Dieu a-t-il réellement dit? Il avait déjà mis du savon. Et puis, si toi, tu n'as pas fait attention, eh bien, dis donc, tu pars dans un, et puis, il lance la bombe. Et elle est partie. Ah, mais c'est tellement... La semence est entrée là-dedans, finalement, pour voir qu'est-ce qu'il a voulu que l'homme soit. Que l'homme ne croit pas en Dieu. N'ait pas confiance dans la parole de Dieu, Amen. Mais qu'il ait confiance en lui. Amen. Ça a toujours été l'objectif de Satan depuis la Genèse. Amen. C'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi vous le voyez quoi? Mais assis sur la bête. La bête a pris ça, mais le problème, c'est lui qui veut dominer. Il cherche qui? Il cherche à ce que l'homme puisse arriver à pouvoir ne plus jamais s'occuper de Dieu. Amen. Mais s'occuper de quoi? Mais de lui. C'est sûr et certain. Aujourd'hui, regardez très bien dans le monde aujourd'hui. Ils n'ont pas le temps, tout est devenu pressé. Regardez comment je leur parle. Bon, donc, on voit que là, c'est dans ce sens, effectivement, que son objectif, en réalité, c'est quoi? C'est de faire que l'homme soit occupé par des vanités, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Le plus important, c'est que l'homme ne pense même pas à Dieu. Vous voyez, par exemple, vous, ça soit jeune, frère, soeur. J'ai toujours dit ici, frère, si j'amenais un grand écran ici, je mettais un film de 8 heures, maintenant c'est 14, je ne sais pas moi, pas, tout ce que vous voulez là, les jeunes, tous étaient, vous ne fatiguez pas. Vous, oui, vous n'aimez pas rater l'assemblée? Oui. Vous ne raterez pas l'assemblée. Et puis assis là avec vos pop-corns dans la bouche, pas comme pour voir. Mais vous serez content. Mais allez, quand on vous appelle pour Dieu, vous, même pour venir, ah, difficile le matin pour se réveiller. Mais si c'est 7h30, qu'on a un rendez-vous pour un film, vous venez sortir, non, vous y serez au cinéma.
Et d'ailleurs, quand vous asseyez là devant l'écran, vous voyez seulement monsieur là, ce sont des comédiens. Mm-hmm. Et il n'y a rien de vrai avec des avions. Il a fait. Mais ce sont des maquettes qu'on fait. Mm-hmm. Mais tu es dedans, effectivement, tu sors là, je vis maintenant. S'il était grand, il n'est même pas fort, le monsieur. Mais en fait, ce sont des effets spéciaux. Oh, il a transporté les bâtiments. Tu rêves d'être comme lui. C'est pas un autre normal. Tout ça sont des. Mais c'est vrai, frère et soeur. Satan joue avec vous l'esprit, effectivement, mais c'est comme les jeunes soeurs. Ils ont pu voir des femmes là qu'on a. Photoshop, qu'est-ce qu'on fait là? On va dessiner une femme avec des machins comme ça, tout ça. Et quand on voit, je vais être comme ça. On se prive de manger. Je ne vais pas dire manger comme ça, non. On peut manger naturellement. Mais on se prive de manger parce qu'on veut être bien. On veut être comme ça, c'est rare. Je n'ai pas dit non plus, goinfrez-vous, comme on dit. Non, manger normalement, mais quand toutes ces femmes voient sur Photoshop, vous les hommes. Parce qu'on a pas les yeux qui sont bleus comme ça. Et puis, c'est comme ça que les soeurs souffrent, non? Oui. Parce qu'avec les Photoshop, on dort, on commence à donner sa femme. Oh, tu vois, je vis. Mais non, monsieur, ta femme est meilleure, cette dame-là, pourquoi? Parce que sur la photo, on a bien encore. Toutes les femmes que vous voyez là, avec. Oh, ils sont très. C'est bien. Mais prenez-la dans la réalité, vous allez fouiller la chambre à coucher. C'est vrai. On rêve trop, mais après, il dit, tu t'habilles, je ne savais pas que c'était comme ça. Pourquoi? Tu as trop regardé, les bénis, tu as trop regardé les Photoshop. Mais c'est vrai. Satan, il est ruiné. Alors, l'objectif, c'est quoi? Il te pousse à pouvoir basculer là. Et c'est là, on ne peut pas tenir, et c'est là que vous verrez effectivement que, comme je le disais effectivement, l'épée, effectivement, qui a parlé, les juifs viennent par la foi, donc c'est ce que. Luther a eu à pouvoir utiliser effectivement, quand l'église de Sardes, effectivement, qui avait été donc là, qui a fait que l'église catholique avait reçu un coup sévère. C'est comme ça que les protestants avaient pris effectivement de l'ampleur, effectivement, à l'époque, qui fait que les hommes, les femmes se sont sentis vraiment libérés. Et l'église catholique était tellement profondément secouée. Et là, quand on revient là, on voit qu'effectivement que. L'image de la bête, c'est reproduire effectivement ce que la bête projette. C'est quoi? C'est en fait qu'effectivement que les gens aient une religion qui soit en dehors effectivement de la foi véritable et biblique que Dieu veut que le peuple puisse avoir. Parce que pourquoi Dieu doit parler de l'image effectivement de la bête? Pourquoi? Regardez très bien. L'image de la bête, c'est ce que. Vous allez remarquer une chose, qu'on parle que si la bête qui est sortie de la terre, en fait, c'est elle qui pousse, c'est elle qui veut que les gens puissent. En fait, c'est ce qu'on appelle le conseil œcuménique des églises. Le conseil œcuménique des églises. Regardez comment la chose est tellement si fine. Le conseil œcuménique des églises rassemble, je pense, plus ou moins 340. Églises au monde de l'Union avec différentes manières, mais qui sont des églises qui chapeautent d'autres églises. Vous allez trouver toutes les dénominations que vous avez, effectivement, les orthodoxes, ils sont le presbytérien, ils sont tous ce que vous avez, effectivement. Quel est l'objectif, en fait? L'objectif principal de ce que toutes les églises qui sont sur la terre, doivent avoir une seule foi. Doivent avoir effectivement une unité et arriver à pouvoir réellement aussi avoir une seule doctrine. Maintenant, regardez une chose. Pour pouvoir y devenir membre effectivement à cela, il faut que toi, en tant que membre, et que dans ton église, effectivement, vous ayez la même doctrine que ceux qui sont dans ce système, effectivement, qui est des conseils publics modernes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un point central et commun sur lequel toutes ces églises doivent arriver à pouvoir se retrouver. Et en plus, quand vous vous retrouvez là-dedans, vous devez faire en sorte que tous ceux qui sont autour de vous aussi puisse arriver à pouvoir aussi faire partie effectivement de cet écuménisme qui est en fait ce qu'on appelle une sorte de rassemblement effectivement de toutes les églises. Et là-dedans, il y a des
secrétaires généraux, il y a effectivement des divisions effectivement, qu'on appelle des rencontres, comme des conseils, qui font qu'ils doivent se rassembler, effectivement, prendre les décisions pour que toutes les églises, effectivement, puissent arriver à pouvoir adopter le même règlement, effectivement, et surtout marcher selon les règlements des doctrines, en fait, des décisions qui ont été prises, en fait, au conseil communautaire. Alors, c'est quoi la base, effectivement? La base, d'abord, c'est la doctrine de la Trinité. Ils croient tous en Dieu, en un Dieu trinitaire. Vous suivez? Et alors, ces dieux trinitaires, effectivement, la base sur laquelle ils se sont rassemblés et retrouvés, effectivement, reflète, effectivement, le concile des Nicées qui était en fait réuni sous Constantin. Vous vous souvenez, j'en ai parlé dans le livre qu'elle avait dit. Donc, et là, effectivement, qui fait que c'est sous base de cela pour que le rassemblement qui a été fait, effectivement, puisse arriver à pouvoir se maintenir dans le même pensée de concile des Nicées, partant sur un fondement inaltérable, c'est-à-dire que la doctrine, effectivement, de la Sainte Trinité, qui doit être défendue. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait? Cela veut dire que l'Église catholique, en fait, elle n'est pas membre fondamentalement à part entière de ces conseils écuméniques qui rassemblent toutes les Églises. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais elle tourne un peu là, elle arrive effectivement à participer un peu dans le conseil qu'il y a d'une certaine manière. Pourquoi l'Église catholique n'est pas membre? Vous avez d'abord compris ce que c'est que l'écuménisme. Vous avez compris ça? Vous avez compris effectivement le fondement sur lequel se trouve la Trinité, n'est-ce pas vrai? Alors pourquoi l'Église catholique n'est pas membre? C'est simple. La seule Église qui doit être reconnue comme étant la vraie de Dieu, c'est bien l'Église catholique. Mmh. Vous me suivez? Mmh. Alors, baptistes, protestants, et ceci et cela, qui forment ce qu'on appelle l'écuménisme, ce sont ces filles. Mmh. Est-ce que vous comprenez? Mmh. Donc, c'est eux qui doivent arriver à pouvoir s'harmoniser, mmh, pour faire quoi? Mais pour pouvoir refléter ce que lui est. Mmh. Est-ce que vous comprenez? Mmh. Voilà ce que les prophètes disaient. Mmh. C'est-à-dire que toutes ces églises-là, baptistes, ils vont faire quoi? Ils vont retourner quoi? À l'Église catholique. Donc, par l'œcuménisme, effectivement, qu'ils sont en train de pouvoir arriver à pouvoir faire, c'est sûr et certain. Alors, maintenant, regardez. Vous direz, mes frères, regardez bien, on a bien dit que, en fait, que l'image parle. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, toutes ces églises, effectivement, dans la Confédération se retrouvant. Pour quelles raisons vont-ils se retrouver, mon frère et ma soeur? Mais c'est souvent en fait d'avoir une seule voix unique. N'est-ce pas vrai? Donc, tout, maintenant, ils ne vont plus parler au nom de l'Église baptiste, au nom de l'Église pentecôtiste, au nom de l'Église... Non. Ils vont parler d'une seule voix au nom d'une Église, effectivement, écuménique. En fait. C'est-à-dire que nous, les baptistes, les pentecôtistes, effectivement, les méthodistes, effectivement, on s'y a entendu. Voici maintenant la décision qui sort, effectivement, de cela. Ce que toutes les Églises, effectivement, on doit parler d'une même voix. C'est-à-dire que croire la même doctrine et enseigner effectivement selon ce que nous avons pu arriver à pouvoir déterminer. Et cela doit vous rappeler quelque chose. Depuis l'âge des fêtes, le Seigneur a eu à pouvoir dire là-dedans, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu détestes les œuvres de Nicolaïque. Mmh. Le nicolaïsme, c'était quoi en fait? Le rejet de l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Pour que les hommes puissent arriver à pouvoir prendre le contrôle. Mm. C'est comme cela que vous avez vu effectivement s'imposer jusqu'à ce qu'ils aient mis une doctrine et finalement on l'a couronné, comme on est arrivé à pouvoir voir effectivement les papes. Qu'est-ce que cela est en fait? C'est-à-dire que tout l'objectif est de pouvoir rejeter effectivement ce qui est du Dieu véritable. Mm. Ce qui est de la parole de Dieu véritable, effectivement. Pourquoi? Pour mettre à la place, effectivement, quelque chose qui est semblant à la parole de Dieu. Quand vous avez remarqué, frères et sœurs, dans le premier saut, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? On a vu un cavalier était quoi? Avec un cheval blanc, non? N'est-ce pas vrai? Mais le cheval blanc, c'était innocent. N'est-ce pas vrai? Donc ça ressemblait, effectivement, mais c'est un cheval tout à fait innocent. Mais en fait, quoi? C'était donc là l'antichrist qui commençait son travail. Vous vous souvenez? Donc, effectivement, ça semblait tellement si simple, effectivement, mais ça devenait que de plus grand. Plus loin, regardez très bien. Alors,
Quand cela va se mettre effectivement en place, déjà en travaillant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Est-ce qu'ils se ressemblent? Et ils vont prendre des décisions, effectivement, en rapport avec les conseils œcuméniques. Mais si près, parce que cette conseil œcuménique, effectivement, a été fondée en 1948. C'est dans le pays de mon frère, ici Arthur, Amsterdam. Donc ça a commencé là-bas, donc en Hollande, Amsterdam. C'est là que la base même, effectivement, du conseil œcuménique a été donc lancée. Regardez une chose. On nous a bien parlé en disant, regardez, frère, que la bête, donc cette deuxième bête, effectivement, celle qui sort de la terre, elle fera quoi? Regardez. Il dit, elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés de opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Elle lui fit donner d'animer l'image de la bête, en fait que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui ne donnent pas l'image de la bête soient tués. Vous avez entendu? Amen. Maintenant, on parle pas d'adorer la bête, mais l'image de la bête, que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. C'est-à-dire que tous ceux qui n'adhèrent pas, effectivement, à ce qui a été pris comme décision dans cela, effectivement, ils doivent mourir. Vous me suivez? Cela plus bas, afin de pouvoir épargner, écoutez-moi, frères et sœurs, afin de pouvoir épargner ceux qui sont à lui pour ne pas les tuer, qu'est-ce qu'il fait? De la même manière que Dieu met son sceau sur les siens. Alléluia. De la même aussi manière aussi que, et aussi, il doit mettre aussi la marque sur les autres. Parce que tous ceux qui n'adorent pas l'image, il faut qu'on puisse savoir qui adore et qui n'adore pas. Je veux. Frères et sœurs, regardez comment les Saintes Écritures sont précises. Dans le livre de, ici, chapitre 13, ici, avez-vous remarqué quelque chose? Regardez très bien. Ici, il dit ceci, verset, chapitre 13, verset 8, non, verset 8, il dit, en parlant de la paix, chapitre 13, il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Vous suivez cela? La bête. Et puis, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Est-ce que vous avez remarqué? Amen. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, pas dans le livre de vie, mais dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde, donc ne pourront pas adorer, effectivement. Il faut que ton nom à toi ait été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Avant du monde, pour que toi, tu ne puisses pas adorer la bête. Autrement, écoutez s'il vous plaît, autrement, frère, tous ceux qui, dont le nom n'a pas été écrit, ils adoreront, ils finiront par pouvoir effectivement faire quoi? Et soit, regardez quand, je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, je sais que c'est un peu beaucoup, mais regardez bien. Ici, il dit ceci au verset 17, il dit, 13, 17, il dit, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous me suivez? Or, regardez très bien, frères et sœurs. Quand on parle de noms dans les livres de vie de l'agneau, qui sont ceux qui ont le nom dans les livres de vie de l'agneau, effectivement, dont le nom était écrit là-dedans, dès avant la fondation du monde? Qui sont ceux-là dont le nom est écrit? Bien que l'épouse. Amen. Est-ce que vous voyez, frère? Amen. Il n'y a que l'épouse, effectivement, dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc tout celui qui fait partie de l'épouse, il ne pourra jamais ni adorer, ni même adorer l'image de la bête, effectivement. Que Dieu te bénisse. C'est 100%. Donc, ni adorer la bête, ni même adorer l'image de la bête. Je veux votre attention, s'il vous plaît. Mais faites attention quand vous asseyez que vous écoutez. Donc, si le nom n'a pas été écrit là-dedans, tu devras y passer. Mais si ton nom a été écrit, tu ne pourras pas y passer. Quelle différence y a-t-il entre l'épouse et les autres croyants? Parce que regardez très bien. Dans le Saint Écriture, je reviens encore avec l'image de la bête. Le conseil écuménique, effectivement, il a pris une décision comme au concile de Nicée. Au Concile de Nicée, effectivement, c'est là que la doctrine trinitaire avait été donc implantée avec la foi des les crédeurs des apôtres, effectivement, qui n'existent jamais, effectivement, cette effectivement, cela. Donc, c'est là que cela a été donc
imposé, comme après cela, l'Église catholique a commencé à avoir imposé à tous d'adopter ces credos, ceci et cela, et de pouvoir croire ce que eux ils lisent et ce que eux ils ont. L'histoire se répète, vous voyez l'histoire, effectivement, comment, quand on a parlé effectivement des martyrs, effectivement, je vous dis un extrait ici, effectivement. Donc tous ceux qui n'embrassaient pas les Vierges Marie, les ceci et cela, tous étaient sciés, tués, effectivement. On parlait de martyrs, effectivement, des fois, vous vous souvenez, on est tiré un mot ici, effectivement. Vous ne faisiez pas attention, mais tout ça revient. Donc, l'Église catholique a eu à pouvoir imposer. Oh oui, vous dites, mais c'est une religion. Non, non, monsieur. Elle va s'appuyer sur quoi? Elle va s'appuyer sur l'Empire. Vous vous souvenez? Mais maintenant, on dit mais que la bête va pousser que les autres puissent arriver à pouvoir, effectivement, pousser à qu'ils puissent adorer l'image. L'image de la bête, effectivement. Je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que cette bête qui monte, effectivement, des eaux, la femme de la terre, c'est bien les États-Unis. N'est-ce pas vrai? Mais regardez, frères et sœurs. Nous avons entendu avec vous qu'il a fait démontrer la puissance, en démontrant que c'est lui qui est l'autorité, effectivement, au niveau de sa puissance mondiale en réalité, mais qui maintenant pousse les habitants à se tourner à adorer la bête, qui est donc la communauté européenne, maintenant, vous connaissez, non? Donc, les États-Unis, qui étaient donc la première puissance mondiale, va descendre pour que l'Europe monte déjà, devienne qui, maintenant, la première puissance, effectivement, mondiale. On le voit, effectivement. Regardez ce qui se passe. Le Conseil œcuménique des Églises a été fondé en Hollande, dans le pays de mon frère Arthur. N'est-ce pas vrai? En 48. N'est-ce pas? Alors, regardez très bien. C'est quand même en Hollande que ça a été fondé. Vous allez verrer ça en Hollande. Vous savez où se trouve en fait son siège social? Son siège social se trouve aux États-Unis. Vous n'êtes pas posé la question? Pas du tout. Écoutez. En 1945, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le monde. C'est bien l'émergence de ce qu'on appelle l'ONU. Organisation des Nations Unies. Vous suivez? Ah oui. L'objectif en fait de l'ONU, c'est de pouvoir maintenir quoi? La paix sur la terre, on les appelle les soldats de la paix, les casques bleus. C'est vrai, non? Qu'est-ce que fait l'ONU en fait? L'ONU, c'est le rassemblement de toutes les nations. Quand ils se rassemblent, effectivement, c'est pour que les nations parlent toutes d'une seule. Bien sûr, messieurs. Quand quelque chose se passe de l'autre côté là-bas, où on attaque, effectivement, je ne sais pas moi, ils doivent se rassembler tous. Et tous, effectivement, on appelle ce qu'on appelle la résolution, effectivement, de la Nation Unie. Donc, on doit vous dire, qu'est-ce que vous pensez, ceci, quelles sont les ordres, tout le monde doit donner, afin qu'on prenne une seule décision. C'est pour ça qu'on dit, maintenant, on envoie des troupes ou pas. Vous comprenez? Le but, c'est quoi? C'est de mettre, en fait, la paix. Donc, ils doivent, en fait, arriver à pouvoir rassembler d'abord les nations ensemble, de battre le problème et imposer maintenant ce qu'ils doivent faire. Vous suivez? Alors, lorsque les conseils œcuméniques des églises se rassemblent, le but, c'est quoi? Le but, c'est qu'on puisse quand même servir Dieu à la paix. N'est-ce pas vrai? Qu'il y ait l'harmonie, effectivement. Que tous les églises, qu'il n'y ait pas des divers. Non, que tout soit. On met des règles. On met des règles. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe avec aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, avec ce qui s'est passé avec les choses avec l'islam, on commence à pouvoir poser des barrières. N'est-ce pas vrai? Des règles. Il a fallu vraiment que les bombes explosent à l'aéroport, que maintenant on ne peut plus avoir accès comme avant. Donc, chaque fois qu'il y a une chose, effectivement, on prend des mesures. Bon, là maintenant, écoutez bien, ils vont se dire, mais écoutez, mais nous nous retrouvons dans cet conseil écuménique. Quand, par exemple, quelqu'un veut prêcher sur des rôles, on vient ici, ils doivent prêcher comme nous disons qu'on prêche. Est-ce que vous suivez? Afin qu'il y ait la paix, effectivement, donc nous avons un organe. Pourquoi, frères et sœurs? Chaque homme sur la terre a quand même une part qu'on appelle spirituelle. Si vous regardez sur la terre entière, effectivement, il y a beaucoup, que ce soit même ici chez nous en Europe, il y a beaucoup d'églises. Donc les gens ont la foi dans quelque chose. Et pour contrôler ces gens-là, effectivement, que la foi, il faut maintenir le système qui le conduit dans la foi. Donc c'est-à-dire que la religion, c'est sûr et certain. Pourquoi aujourd'hui, effectivement, les gens faut qu'on baptise en fait des bébés? Et cela, ça avait été biblique. Mais c'est parce qu'une décision avait été prise, effectivement, que
Maintenant, on va maintenant aspirer les enfants. Tout le monde a cru que c'était vrai. Donc, on a mis ça comme une règle dans le continent européen. Donc, en Europe, on asperge des bébés. Est-ce que vous comprenez? Parce que la religion catholique a pu prendre la décision, effectivement, et puis le gouvernement y est mis, effectivement, pour avoir la paix maintenant, puisque là, au concile des idées, ça, on fait comme ça. Donc, au concile des églises, effectivement, ça va aussi être aussi la même chose. Satan utilise cet instrument, effectivement, pour une finalité, c'est-à-dire amener tout le monde, effectivement, pour que personne ne puisse avoir la liberté de prêcher l'évangile comme le Saint-Esprit le conduira. Parce que, écoutez, frère, parce que, il faut dire, mais quand nous nous rassemblons, nous prenons les yeux, effectivement, on leur dit comment il faut. Par exemple, je vous donne un exemple clair. Aujourd'hui, les nations ont décidé que les homosexuels, l'homme avec l'homme, peut se marier. Vous me suivez? Écoutez très bien. Dans le conseil écuménique des églises, aujourd'hui, si vous allez à l'église, même partie, tout ça, tous maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas très longtemps, vous avez entendu les bribes avec l'église catholique, effectivement. Non, nous, pas des homosexuels, rien du tout. On ne peut pas accepter cela, effectivement. Le pape vient de faire sortir un petit livre. Dans ce livre, il dit, non, il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir, on doit simplement comprendre qu'ils ont aussi une vie, effectivement, on doit avoir une tolérance, effectivement. C'est-à-dire que les homosexuels, hommes avec hommes, peuvent venir, et finalement, on va finir par pouvoir marier, puis bénir comme il était bénir, effectivement. Donc, on peut le faire, puisque déjà, les autres églises ont déjà adopté cela. Donc, que ce soit les Anglicans, le baptiste, effectivement, ne vous fatiguez pas. Anglicans, le baptiste, effectivement, ils ont adopté cela ainsi. Maintenant, toi, quand tu vas sortir, tu prends la Bible pour dire que selon les saintes écritures. Or, le conseil écuménique, effectivement, pour avoir la paix, on va s'aligner, effectivement, comme la décision du gouvernement a dit. Pour quelle raison? C'est la bête. Vous suivez? Donc, nous aussi, effectivement, on doit... Maintenant, on doit faire comme la main dans nos églises. Le pape a fait sortir les bouquins, on suit, et puis dans nos églises, les lesbiennes, les homosexuels peuvent venir, ils peuvent même s'embrasser, il n'y a pas de problème. On vit dans ce qu'on appelle la tolérance. Et puis, Dieu est un Dieu qui est amour. Donc, dans toutes les églises, quand vous allez, c'est le message qui est passé. Pourquoi? Parce que ça vient de ce qu'on appelle le conseil écuménique des églises. Donc, c'est un conseil qui doit apporter la paix dans les églises. Est-ce que vous me suivez? Or, l'ONU, c'est pour aussi apporter la paix. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce conseil écuménique des églises, effectivement, va avoir la possibilité de pouvoir avoir l'ONU comme porte-parole. Qui ferait quoi? Puisque les nations vont se rassembler. Il dit, mais quand les autres, effectivement, prêchent à gauche, à droite, à quel est tout, effectivement, il faut que tous se rejoignent où c'est? Dans le conseil écuménique des églises. Pour qu'on sache contrôler maintenant comment, effectivement, ceci est fait, effectivement, parce que quand ils donnent des ordres, d'abord, ils envoient avoir les rapports. Voilà maintenant comment on va commencer à parler de tel doctrine. Parce que c'est comme ça que c'est construit. Pourquoi? Parce que le pape, c'est aussi notre roi, hein, puisque le Vatican, c'est une ville indépendante. Vous savez ça, non? Il a des ambassades partout. Donc, au Conseil des Nations Unies, il siège aussi. Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire qu'effectivement, qu'il y a un rapport qui lui est aussi donné à sa vidéo. Voilà comment l'Église. C'est exactement l'image à l'époque de Constantin. Vous vous souvenez? Constantin qui a imposé effectivement que voilà comment doit être la religion. La même image. Qu'est-ce que cela veut dire pour nos frères Léonard? Mon frère et ma soeur. Cela veut dire ceci. Puisque d'abord, vous remarquerez très bien que avec les problèmes des homosexuels et des lesbiennes, sans vous rendre compte, vous devenez très passif. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez, vous commencez à vous accepter dans la vie. Parce que tous les jours, on vous parle, on vous montre que c'est une chose tout à fait normale. Et finalement, vous arrivez à pouvoir comprendre que c'est tout à fait normal. Et puis quand même, on ne doit pas juger, on doit quand même comprendre les gens. Donc ça rentre dans le mœurs des gens. Dans le vôtre aussi, ça rentre. Maintenant, regardez très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ces gens-là ne sont pas méchants. Puisque l'Église, le conseil écuménise l'Église, effectivement,
Il dit que nous croyons en Jésus-Christ, effectivement, nous croyons en Dieu le Père, ainsi de suite. Donc, il n'y a rien qui soit quelque chose de très mauvais. Donc, il faut que nous puissions adhérer à ces choses, effectivement. L'objectif, c'est quoi? C'est que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu n'aies plus foi dans la parole de Dieu. Mmh. Oh oui, frère, ça, c'est peut-être une chose qu'on sait. Regardez les choses. Lorsque l'ONU va prendre, effectivement, des décisions, que les églises doivent être comme cela, et les choses doivent être crues comme ceci, c'est à ce moment-là qu'on va voir la différence entre vous et ceux-là qui sont en train de pouvoir faire les choses selon l'ONU. C'est à ce moment-là qu'on pourra voir, effectivement, que celui-ci est vraiment de celui-là, et celui-ci n'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Par la marque, effectivement, que toi, tu vas porter. Comment tu vas porter la marque, frère? Alors, mes frères, Léonard, il faut adhérer, effectivement, au conseil communique. Mais certainement, c'est vrai. Mais maintenant, déjà, le fait que toi, mon frère, ma soeur, tu ne crois pas la parole, déjà, qui est prêchée. Quand elle est prêchée, effectivement, lorsque tu ne la crois pas vraiment, que tu ne la mets pas en pratique, effectivement, parce que d'abord, tu crois la parole et tu la reçois selon la façon dont tu vois. Ça montre déjà la position que tu as. Cette marque effectivement, de la bête, effectivement, elle est déjà posée sur toi. Ce n'est pas que quand tu vas faire partie du conseil écuménique. Non, l'effet déjà que tu l'as, même si on ne t'invite pas, tu vas faire partie du marque, enfin, du conseil écuménique. Pourquoi? Quand les décisions seront prises, effectivement, c'est vrai, ils vont correspondre à quoi? À ce que toi, tu as dans ton cœur. Nous l'avons vu avec vous. Écoutez d'abord, s'il vous plaît. Nous l'avons vu avec vos frères et sœurs que, quand on a parlé, effectivement, de la bête, effectivement, nous avons entendu, effectivement, que le dragon lui a donné son autorité. N'est-ce pas vrai? Amen. Et quand on a vu, effectivement, la deuxième bête, qui sort effectivement de la terre. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il parlait comme le dragon. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'était pas de... L'autre bête, il n'a pas, lui ici, mais il avait quoi? Il avait en lui l'esprit du dragon. Qu'est-ce qu'il faisait? Comme il avait l'esprit du dragon, même s'il était loin, finalement, il fait quoi? Il fait que tout le monde retourne vers... N'est-ce pas vrai? Vers les dragons. En fait, c'est cela que vous devez comprendre. Ça s'est fait, effectivement, le conseil communique est là. C'est vrai. Mais en réalité, ce sont des gens qui vont adorer, enfin qui vont adhérer à cela. Vous déjà, frère, vous déjà, ma soeur, dès maintenant déjà. Pourquoi est-ce que le Seigneur parle du baptême du Saint-Esprit? Pour quelle raison? Parce qu'il sait très bien que aussi longtemps que tu n'es pas scellé, la marque est à côté. C'est-à-dire qu'il y a seulement deux choses. Soit le baptême du Saint-Esprit, soit le sang de Dieu ou la marque de la bête. C'est l'un ou l'autre. Pourquoi tu es impassif en rapport avec les choses de Dieu? Parce que quelque part, pourquoi frère? Pourquoi pour prier, tu ne pries pas? Pourquoi? Il y a quelque chose en fait qui fait un frein en toi. Frère. Pourquoi tu penses en rapport avec les choses de Dieu? N'est-ce pas vrai? Parce que tu n'as pas foi dans les choses de Dieu. Parce que tu n'as pas foi en cela. C'est pas que directement tu as la marque de la bête. Non monsieur, en fait, tu as un terrain fertile pour Satan. C'est sûr. Regardez, frères et sœurs. La Bible dit, le Seigneur dit, mais soit tu es froid, ou tu es bouillant. Amen. Donc il faut que tu aies une position. Si tu es tiède, c'est sûr et certain que tu es un terrain fertile, favorable à Satan. C'est pourquoi il faut que vous fassiez attention à vous, à la manière dont vous marchez. Certainement, c'est vrai, frère. Nous venons ici, la parole de Dieu est prêchée, Dieu agit. Mais regardez, frère, après que la parole soit prêchée, comment vous réagissez? Après que le Saint-Esprit soit venu, effectivement, comment vous réagissez? Au lieu que la flamme continue en vous, n'est-ce pas vrai? Regardez, frères et sœurs. Quand on chante, vous dansez, non? Vous sautez, vous savez pourquoi? À cause de l'onction. Amen. Mais quand l'onction, maintenant, se stoppe, quand vous sortez, vous retrouvez votre nature ancienne. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, l'onction qui est là travaille dans vous pour vous amener. Mais pourquoi vous mettez un frein? C'est pas que vous avez la marque de la bête, mais en fait, vous êtes prédisposé à recevoir la marque de la bête à cause de la résistance que vous faites tout le temps. Regardez, frères et sœurs,
Ma soeur, regarde ici. Je vous ai dit dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Vous vous souvenez? Le vierge sage. Sage et le vierge folle. Vous avez remarqué ce qui s'est passé, frère. Tous ils avaient la mort. N'est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand était le temps de pouvoir entrer, effectivement, pour être dans la salle de noces, les autres vierges, effectivement, n'ont pas pu entrer parce que leur lampe s'éteint. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis où? Aller pour les chercher, effectivement. Et pendant ce temps-là, l'époux arriva. Et ceux qui étaient prêts entrèrent, n'est-ce pas vrai? Ceux dont le nom était inscrit dans l'île de l'agneau, mon frère, ma soeur, c'est l'épouse, et doit rentrer. Amen. Donc l'épouse, elle est très prudente. Elle fait tout ce que l'époux dit, effectivement. Une épouse véritable, elle est soumise à son mari 100%. C'est-à-dire que, frère, et ça c'est vrai, parce que et l'épouse, en fait, elle s'allie à son mari. La même chose que l'Écriture montre, effectivement. Pourquoi c'est différent? Parce que l'époux de Christ, effectivement, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'œcuménisme rejette? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu ne peut pas accepter ce qui n'est pas la parole. Comme Adam ne pouvait pas, Satan ne pouvait pas arriver à faire, non, ne pouvait pas vaincre. Ce n'était pas possible qu'il puisse arriver à faire tomber Adam. Mais Ève, oui. Parce que ce terrain était fertile pour cela. Donc il était préservé pour cela. Bien sûr que oui. Parce que à Adam, il était une fois de la parole. Il a entendu la parole. Il dit, tu peux manger, mais ça non. Satan savait très bien. Il dit, celui-là, c'est un fils de Dieu. Celle-ci, ah, je sais que je vais balancer un peu ainsi de suite et les vents descendent de ton bras. Mais lui-là, non, monsieur. C'est exactement la même chose, ma soeur. Oh, nous croyons, mais ça, c'est pas vrai, frère et soeur. Votre attitude, votre façon d'être, effectivement, montre effectivement que Satan sait qui vous êtes. Amen. Ce qui se prépare, frère et soeur, oh, mais nous ne serons pas, mais c'est sûr et certain. Pourquoi, frère et soeur, regardez très bien. Ici, on parle, d'abord je reviens à 27, regardez très bien, mais ils sont partis, ces femmes. Et pourtant, ils avaient la lumière. Si elles ne rentrent pas dans la salle des noces, elles vont aller où? Elles se sont réjouies avec la parole. Elles se sont réjouies avec la parole. Oui, messieurs, elles se sont réjouies avec la parole. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est pourquoi ne suivez pas des groupes à gauche ni à droite. Vous devez être sûr et certain que ce que vous avez est vraiment la parole de Dieu. Amen. Que ce que vous avez est vraiment l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est absolument important. L'influence d'un autre, c'est quelque chose qui peut vous faire basculer quelque part facilement. Amen. Et c'est absolument important que vous sachiez que de maintenant, mon frère et ma soeur, quand on parle de la marque de la bête, sachez qu'effectivement que vous pouvez l'avoir reçu. Amen. Parce que quelqu'un qui a un cœur effectivement disposé, qui aime la parole, il ne peut pas résister à la parole de Dieu. Peu importe, même si ça lui coûte la vie. En fait, il ne fait pas des efforts. Son intérieur à lui. Parce qu'il est une prédateur. Il ne peut pas prendre la chose qui est fausse. Non, ça fait partie de sa vie. Il doit s'accrocher à la parole de Dieu. Mais un homme ou une femme, effectivement, qui est une partie de Dieu, ne peut pas résister à la parole. Quand vous résistez, quand vous repoussez la parole, mon frère et ma soeur, vous êtes favorable pour la marque de la bête. Sûr et certain, vous pouvez vous asseoir là, chanter, crier, effectivement, sûr et certain. Vous criez, pourquoi vous chantez? Pourquoi vous êtes heureux? Parce que les cantiques vous arrangent. Amen. Mais la parole qui est prêchée ne vous arrange pas. C'est sûr et certain. Pourquoi? C'est-à-dire quand on te gloire à Dieu, vous chantez, vous dansez, vous criez, effectivement. Mais quand la parole vient et vous corrige, vous fâchez même pas. Vous devez danser aussi. Vous devez aussi dire, gloire à Dieu, merci Seigneur, effectivement. Autant vous avez juste pour les cantiques. Lisez aussi pour la parole, même Amen. Si ça vous condamne. Amen. C'est sûr et certain. C'est pas avec les cantiques, c'est pas parce que vous chantez bien, vous êtes partout au ciel. Non, messieurs, c'est parce que vous prenez plaisir à la parole de Dieu. Alors là, parce que regardez, frères et sœurs, regardez, frères et sœurs. Tout ce que vous voyez, l'Empire romain, le Conseil communique, c'est pas pour les incroyables que ça s'est fait. Non, c'est vous. Amen.
Ce que le diable vit, c'est vous. Amen. Mais vous savez, frère, il est très rusé. J'ai toujours dit ici, vous, frère, qui êtes ici à Bruxelles, de l'Assemblée ici, qui êtes ici, frère et soeur, pourquoi vous restez chez vous à la maison pour vous connecter sur Internet? Vraiment. Je comprendrais les frères qui sont à l'étranger. En France, en Hollande, je comprenais cela. Mais ici, à Bruxelles, vous, les frères et soeurs de l'Assemblée, vous restez à la maison pour vous connecter sur Internet. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Amen. Vous pouvez tout m'expliquer, frère. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Oui, c'est vrai. Oh, je suis fatigué. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, monsieur. Il y a un problème avec toi. Amen. Tu as un terrain fertile pour la marque de la bête. Amen. Vraiment. Amen. Amen. Il dit, mais c'est par ta persévérance que tu sauveras ton âme. Amen. Ils étaient chaque jour à celui au temple, mon frère. Amen. Si on a l'internet, c'est pour le monde, parce que mon ministère, c'est par le monde entier. Amen. Les gens écoutent en gros ça. Mais vous, vous êtes ici, frère. Amen. C'est pas pour vous l'internet. L'internet, c'est pour eux, pas pour vous. Satan, c'est. On verra, frère, c'est quand même. C'est la vie. Non, messieurs, c'est pas la même chose. Vous, c'est votre place ici. D'être là pour adorer, servir Dieu, parce que Dieu, vous avez l'occasion. Si ces hommes, les femmes qui sont à la terre avaient l'occasion d'être ici, ils seraient tout le temps ici. Amen. Amen. C'est pas seulement pour l'occasion, mais toi, tu as cette occasion. Tu vas trouver des excuses. Travail, fatigue. Je vous ai toujours dit, même malade, mais on prie pour les malades. Oh frère, parce que j'avais un peu mot de tête ici. Il y a des soeurs qui ont le plus. Pire que mon tête, il vient ici. Parce que j'avais un peu la douleur là. Frère, vous pouvez tout me dire, je vous regarde, il dit, je t'aime, frère, je sais que tu es un fou. Parce que ton cœur n'est pas vrai. Peu importe ton état, tu devais être dans la maison du Seigneur. C'est sûr et certain, frère. Quand on aime Dieu, on s'accroche à lui. Jour et nuit, on est là. Tantôt, quand j'étais dans mon bourgeois, c'était hier, pendant que j'ai tout trouvé mon frère Zaché ici, c'était hier samedi, parce qu'il ne savait même pas que j'étais venu ici. Et je l'ai trouvé là aussi. J'ai trouvé mon bureau. J'ai dit, oulala, qu'est-ce qu'il a? C'est mon frère Zaché, que Dieu le bénisse. Et je disais, Seigneur Jésus, si j'étais à l'époque où tu étais sur la terre, moi je te suivrais partout. Je ne t'aurais même pas famille, je n'aurais pas famille, mais ce serait toi. Partout où tu iras, à gauche et à droite, je te suivrai. Parce que je dis, mais quelle grâce que ces hommes et les femmes avaient de t'avoir toi ces jours-là. Oui, monsieur, c'est ce que je pense. Je dis, Seigneur, j'aurais pu te suivre, moi. Ma soeur, mon frère, vous perdez du temps à des choses inutiles. Mais c'est vrai. Vous suivez des choses qui ne sont pas importantes parce que ça ne vous rapporte rien dans votre âme à vous. Le jour où vous mourrez, mes maisons vont rester. Les enfants, tout ce que vous avez, plus que vous battez, va rester. Amen. C'est vrai. Donc, alors nous revenons à ce que nous disons. Alors, voilà que, effectivement, que l'objectif est ceci. Ce que les croyants ne puissent plus avoir la foi, effectivement, de Pentecôte, ne puissent plus avoir, effectivement, la foi comme au temps biblique, effectivement, mais non, qu'ils viennent, effectivement, comme « Oh, alléluia, gloire à Dieu, notre Dieu a dit, on peut parler un peu comme ça, et puis on chante au rang. » C'est peut-être un peu les désirs de quelques-uns. Pourquoi on va là-bas, ces frères-là, ils prennent 2 heures, 1 heure, 3 à nous parler, mais ça va pas. Dans d'autres églises, ça fait 15 minutes, effectivement, on parle, alléluia, on chante, et puis on rentre, et puis on a beaucoup à faire. Mon frère et ma soeur, si tu as cette pensée, effectivement, c'est sûr et certain que soit tu n'as pas encore bien compris, mais si tu es quelqu'un qui est déjà ancien, ou qui a fait des années dans la marche avec Dieu, et qui tout le temps ton cœur palpite, effectivement, pour dire je dois partir, je m'ennuie, je ne sais pas. Ce n'est pas normal que tu sois là dans la maison du Seigneur, que tu puisses t'ennuyer. Ce n'est pas normal. Même si tu n'es pas saisi encore la parole, là où je suis assis, je prie Dieu. Seigneur, accorde-moi, je suis dans ta maison, aide-moi Seigneur. Je dois prier, mon âme est constamment dans la prière. Pas que constamment, bon, vite, je dois partir. Non, combien de fois. Mais ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous devons comprendre, nous, effectivement, comment est-ce que Dieu peut arriver à pouvoir trouver son intérêt aussi en nous. Et comment aussi Satan peut se trouver aussi son intérêt en nous. Ce sont deux. Dieu doit trouver son intérêt en toi. Ou c'est soit Satan qui trouve son intérêt en toi. Qui va trouver son intérêt à toi. En fait, celui qui trouve son intérêt à toi, celui qui trouve que tu t'intéresses beaucoup plus à lui. Ça
C'est vrai quand même. Amen. Quand tu t'adresses beaucoup plus à l'un, il va dire, ah, il m'aime bien. C'est sûr, Satan. Amen. Satan va trouver son intérêt à toi parce que tu t'adresses beaucoup à lui. Quand tu sors, tu t'adresses à moi quand tu vas partir à l'extérieur. Qu'est-ce qui est la chose qui t'intéresse? C'est là que tu vas voir qui va prendre plaisir en toi. Donc moi, je dois savoir en qui est-ce que je dois arriver à pouvoir prendre plaisir. Même si ça me coûte, effectivement, je dois être sûr et certain de ce que je suis. Donc, tous ceux-là qui sont arrivés à ce qu'ils ont fait un pas en arrière et que les autres sont entrés, effectivement, les Saintes Écritures nous montrent une chose, mon frère. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, je vais vous montrer quelque chose. Pour vous puissiez voir, et pour vous dire ça, nous allons prier, mais je vous laisse pas. Apocalypse, chapitre 20. Dit, verset 1 dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable de Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient avant. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Parce qu'il doit encore faire un travail. Verset 4, il dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Vraiment, vraiment? Ça vous dit quelque chose? Mais c'est sûr et certain. C'est exactement ce que Jean a dit. Jean était sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Pourquoi vous serez combattus aujourd'hui? À cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Donc, si vous n'avez pas le témoignage de Jésus avec vous, on ne va rien vous faire. Si vous n'avez pas la parole de Dieu avec vous, on ne va rien vous faire. Mais quand vous avez le témoignage de Jésus avec vous, la parole de Dieu avec vous, vous serez effectivement un problème. C'est sûr et certain. Alors, c'est sûr et certain que Satan ne pourra jamais trouver son intérêt en vous. Vous devenez quoi? Vous devenez quoi, effectivement? Mais la cible. Regardez la suite. Il dit quoi? Donc, le témoignage de Jésus à cause de la parole de Dieu dit, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Vous voyez comment le Saint Écriture insiste effectivement sur la marque de la bête, sur leur front, sur leurs mains, adorer effectivement vos frères et vos soeurs. C'est absolument important que vous puissiez comprendre cela. C'est nécessaire. Pourquoi? Regardez très bien, frères et sœurs. Quand vous observez aussi parmi des frères et parmi des sœurs, pourquoi y a-t-il des divisions? Regardez-moi ici, frères et sœurs. L'esprit de division n'a jamais été l'esprit de Dieu. Dieu n'est jamais venu pour pouvoir donner l'esprit de division. Non. L'esprit de Dieu, effectivement, c'est l'esprit de la parole qui nous amène à la foi, en fait, à l'unité de la foi. C'est lui qui est à la source, effectivement, d'une division quelque part. Cet homme ou cette femme est habité par un esprit qui n'est pas de Dieu. Et comme il n'a pas l'esprit de Dieu, effectivement, il est dans la main, effectivement, de l'ennemi. Peu importe, effectivement, où il peut aller, quelle église il peut appartenir, effectivement, il a un problème avec Amen. Dieu. Amen. 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 Si tu as été à la base, et toi aussi, qui suis quelqu'un, vous me comprenez? Avec, je me souviens très bien, finalement, la bête dans le chapitre 13, verset 11, et la bête chapitre 13, verset 1. Vous vous souvenez? Donc, si aussi toi, tu suis celui qui est base de division, effectivement, c'est-à-dire que vous avez le même esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut que vous sachiez qui vous êtes et votre position, frère. Effectivement, c'est absolument important. Un fils de Dieu ne peut pas tanker ni à gauche ni à droite. Il doit avoir une position ferme. Savoir où il en est, mon frère. Amen. Il faut être prudent. Satan est très rusé. Il va se. Regardez, frères et sœurs. Il n'a pas fallu une grande chose pour que le monde bascule dans le péché. Juste une petite chose, simplement petite, que Satan venait avec. Eh, parce que c'était plus petit. Il dit, non, Dieu a-t-il réellement dit? Ça a commencé par
petite note. Vraiment. Et puis finalement, c'est parti. C'est la même chose que vous aussi. Oh, mais quel mal a-t-il à pouvoir aller avec ce frère-là? Quel mal y a-t-il? Quel mal a-t-il? Mais ce n'est pas un problème. Je peux quand même aller. C'est la communion, bien sûr. Mais pourquoi n'adhérez-vous pas au conseil communique? Parce que c'est la même chose. C'est aussi des chrétiens. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce sont aussi des chrétiens, aussi mon frère, aussi. Il cite aussi Dieu le Père, Dieu le Fils. Il cite tout ça, non, pas vrai. Alors adhérez aussi. Pourquoi vous n'adhérez pas? Ce n'est pas que vous ne voulez pas adhérer, mais c'est qu'il y a en vous. Amen. Et avec là, l'esprit qu'ils ont, ce n'est pas la même chose. Amen. Ça Amen. Se repousse. Amen. Ça ne peut pas serrer. Amen. Mais Amen. Ça se repousse, mon frère. Amen. Amen. C'est vrai. Alors, ne fabriquez pas votre frère. Ne mélangez pas les sentiments que vous avez. En disant, c'est le sentiment de Dieu. Non, monsieur. Il y a une différence entre ce que Dieu aime et ce que vous, vous aimez. Amen. Je suis un certain ça. Amen. Il faut toujours dire effectivement que ce que Dieu aime, c'est toujours sa parole. Amen. Alors, je dois voir que si ma réaction est vraiment la réaction de la parole de Dieu, ou si ma réaction est une réaction tout à fait de l'homme. Amen. Ça, c'est absolument important pour que vous sachiez effectivement où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est les sceaux de Dieu? Ou est-ce que c'est la marque de la bête? Lorsque la marque de la bête est là, tu seras toujours opposé à toute vérité. Sûr et certain. On peut vous l'apprécier. On dit effectivement que non, monsieur, c'est comme cela. Tu es là assis, dis non. Moi, je sais que dans la Bible, il est dit ceci, il dit cela. Donc, tu es toujours. Tu continues toujours, effectivement, tu combats toujours, effectivement. Oui, tu as un terrain fertile pour la semence et l'ivraie. Il y a la bonne semence, ce sont le Fils de Dieu. L'ivraie, ceci, c'est le Fils du malin. Alors, il faut qu'il puisse arriver à pouvoir s'aimer aussi sa semence. C'est sûr et certain. Chaque fois, vous pensez que Dieu envoie les médecins intéressants pour le rien? Non, monsieur. Chaque fois, résistant et comprenant. Non, monsieur, monsieur, monsieur. Il y a une ligne de conduite que Dieu a donnée. Je dois savoir qu'il s'agit. Frère, depuis que toi, tu es assis ici, ma soeur, mon frère, on a dit, mais le vrai baptême, c'est dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi, tu es baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il dit, oh non, je crois en Dieu, mais je suis trinitaire, effectivement. Et ça montre ta sémence à toi. Non, monsieur, c'est pas possible que tu ne sois jamais, jamais baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois, nous n'avons pas la même foi, monsieur. Non, monsieur, nous n'avons pas la même foi, madame. Non, même si tu viens là, il y a un problème, il y a un souci. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, la même chose, pas de baptême. Non, monsieur, regardez une chose. Avec l'unique éthiopien, le jour où il a entendu... Alléluia. Amen. Il n'a pas fallu 10 ans, monsieur. Amen. Même pas 5 ans, même pas 3 ans, monsieur. Non, il n'a pas fallu. On te supplie. Non, monsieur. Il dit, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Ça, c'est l'autre, effectivement, la nature de ce qu'il y a au dénom de nous. Et aujourd'hui, mon frère et ma soeur, regardez très bien. Vous n'avez pas remarqué, vous ne faites pas attention. Il est bien dit ici, personne ne peut ni acheter, ni vendre. Sans avoir reçu la marque sur le front, ou la main, ou le nom de la bête, ainsi de suite. Regardez comment Satan agit et comment aussi la parole de Dieu s'accomplit. Vous n'avez pas l'idée. Tout ce que vous voyez se passer, effectivement, aussi, que ce soit les bombes qui mettent les trucs autour des reins, vous comprenez? À gauche, à droite, ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, que la bête, c'est bien 13, n'est-ce pas? J'avais dit l'autre. Enfin, je l'ai écrit dans la brochure. J'ai dit, frère, ne vous inquiétez pas pour les terroristes. On me prenait pour un fou, peut-être, quand on a dit ça. Ne vous inquiétez pas pour les terroristes qui font autour de l'air. Il n'y a pas de problème. Ils ont beau se mettre les bombes autour de l'air. Qu'est-ce qui va se. C'est eux-mêmes assez éliminants, non? Plus ils meurent, plus ils diminuent les quantités. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire que l'Europe, monsieur. L'Europe va faire que le terrorisme, monsieur. Bien sûr, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que c'est la puissance qui va dominer sur la terre. Amen. Donc, ils vont prendre. Mais bien sûr, Daesh, ils vont. Lisez la brochure, quelle heure est-il? Je l'ai bien écrit. Non, mais Daesh, il va réduire. Il va s'affaiblir, monsieur. Ça va s'affaiblir. Pourquoi? Parce que l'Europe a une puissance. Amen. Amen. La preuve, ce que vous avez vu, en l'espace d'un peu de temps, tous les terroristes, en grande majorité, ils vont arrêter. Oui, monsieur. Oui, oui. Ne jouez pas avec la Bible, frère. J'ai dit.
Il y a quelque chose, pas de terrorisme, vous devez avoir peur, ne vous inquiétez pas. Ça va sauter, ils vont terminer, ils vont se faire sauter. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne vont pas sauter les animaux, mais eux-mêmes. Ils se mettent les ceintures, boum. Finalement, au fur et à mesure qu'ils vont sauter, ils diminuent effectivement aussi le nombre, c'est eux-mêmes. Hein. Bon. Bon, ça, je sais qu'ils ne m'attendent pas s'ils ne vont pas, enfin, s'ils ne réfléchissent pas plus tard. C'est vrai. Regardez les choses. Regardez, frères et sœurs. J'ai dit, il y a une chose que, dont vous devez simplement avoir l'inquiétude. Ce n'est pas l'islam. J'ai dit aussi dans ce livre-là, l'islam ne va pas dominer. On a peur que l'islam va monter. Il ne va pas monter, monsieur. Le temps de l'islam est bien passé. Non, monsieur. Ce qui va monter maintenant, mais c'est l'Église catholique, monsieur. Ce qui va monter maintenant, c'est l'Europe, monsieur. L'Amérique s'affaiblit. Maintenant, l'Amérique ne peut plus prendre des décisions. Mais pour que je prends, il vient d'abord pour jeter l'OTAN. Vous n'êtes pas au courant, monsieur. Regardez bien. Chaque fois qu'il y a un paf boum, ce sont les mesures qu'on prend et qui durcissent. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas remarqué. Aujourd'hui, vous ne le saviez pas. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous ne le savez pas. Quand vous allez, par exemple, demander un crédit à la banque, demandez au banquier de tourner son ordinateur vers vous. Vous allez voir. Tout ce par où vous êtes passé avec votre carte, effectivement, avec les achats, tout est sorti là. Et puis, tous les crédits que vous avez pris à gauche et à droite, ça s'affiche là-dedans. Mais ce n'est pas venu, monsieur, on sait tout de vous. On sait que vous avez un travail qui fait très bien. Et votre femme dit, mais vos enfants, tout, là dans le fichier. Maintenant, quand vous sortez, ni vu ni connu, personne ne le connaît, tu marches effectivement. Vous savez quoi? Vous avez des caméras partout ici qui reconnaissent votre face ici. Oui, monsieur. Donc, vous êtes sorti ici, on sait. D'ailleurs, il ne faut même pas aller plus loin. Vous-même, vous vous trahissez. Avec quoi? Votre smartphone. Mais ils l'ont fait exprès. Quand vous allumez votre smartphone, vous dites effectivement, mais géopositionnement. N'est-ce pas? On sait que ma soeur Maïté est à Scarbeck. Jusque maintenant, elle est là à Scarbeck. Elle va quitter ici à 9h. Demandez à votre soeur. Elle a un téléphone. Elle est à l'extérieur. Elle prend une photo. Le téléphone dit, bon, cette photo, tu l'as pris à Scarbeck à 4h. Cette photo, tu l'as pris effectivement à Denderleu à 18h. Donc, chaque photo, effectivement, les jours, les lieux, l'emplacement est là. Alors, dites-moi, quand vous allez chez Google, vous tapez Google, effectivement, vous mettez effectivement un rapport avec votre smartphone. Je vais vous dire. Je suis parti ici à Myanmar. Et comme je devais entrer en contact avec les frères là-bas, j'avais pris une carte de téléphone que j'ai mis dans mon téléphone. Je suis rentré chez moi. J'ai enlevé la carte et puis on a un autre. Je me connecte effectivement. Je crois que j'étais avec, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais sur Internet, oui. Alors c'est quoi, c'était sur, je crois que c'est sur notre appareil, je devais télécharger le logiciel pour les recherches Google. Écoutez bien, moi, je tape l'appareil, Google là, recherche pour télécharger, paf, je tape. On dit, monsieur, dans quel appareil vous voulez qu'on puisse placer le Google que vous voulez télécharger? Je dis, dans quel appareil? Il dit, non, vous en avez quatre. Je vous dis vrai, vous avez une petite que vous êtes connecté. Non, c'est l'ordinateur qui me dit. Hein. Quand vous étiez à Myanmar, vous avez une petite que vous êtes connecté. C'est la marque Acer. Il dit même l'appareil et le nom de l'appareil. Maintenant, vous avez encore votre appareil ici, tel nom, votre téléphone, Huawei, vous en avez. Et puis, téléphone, il y en a trois ou quatre, lesquels vous voulez. J'ai ouvert, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Comment ils ont su que ce petit appareil est bien le mien? Ah, si je n'avais pas écrit, je m'appelle monsieur Nifessier, je suis mon appareil. Non, monsieur. Quand vous l'allumez, tu comprends, quand vous l'allumez, votre boîte email passe dedans, non? Vous n'allez même pas pouvoir vous identifier, on sait que chez vous. Donc, partout où vous allez, on sait vous identifier, monsieur. Et on sait aussi parfaitement très bien comment est-ce que je parle avec moi. Et puis, vous savez quoi? Maintenant, regardez très bien. Oh, mais on ne saura pas savoir. Bon. Moi, je suis quelqu'un public parce que je prêche la parole de Dieu par là. Mais vous, non. Mais comment est-ce que vous, on va savoir? Mais c'est simple, monsieur. Madame, les conversations que vous avez sur vos Facebook, vous pensez que c'est privé? Non, c'est public. Quand vous avez signé sur Facebook, vous n'avez pas fait attention.
c'est la propriété de Facebook, hein, vos photos, vos conversations. Et quand bien même vous avez vos textes, mais c'est sur les G7, vous les avez effacés sur votre appareil, c'est effacé, mais chez eux, ils ont gardé. Donc, on sait quand vous parlez des dieux, on sait effectivement qu'est-ce que vous êtes, effectivement, même derrière votre ordinateur. Moi, je vais vous dire une chose. Soyez fatigués pas de moi. J'ai un téléphone. Je dis toujours que la paix du Seigneur soit avec vous. Quand j'écris à un frère, je dis, je mets seulement que, le téléphone dit que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est là, je dis oui, c'est vrai. Je dis simplement, je dis que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonjour, bonjour ma soeur, bonjour ma bien-aimée soeur, tout ça. Parfois j'ai pris un bouton, ça, que la paix soit avec vous. Il dit, l'appareil connaît déjà. Donc il sait que je suis un croyant. Alors dites-vous bien que l'ordinateur s'en prend laisser. Donc mon frère et ma soeur, c'est pas le jeu auquel on rit, mais nous sommes dans quelque chose qui est en train de pouvoir s'accomplir sous nos yeux. On ne fait pas très attention. Il s'agit maintenant de notre combat, mon frère, de notre foi, qu'il ne faut pas jouer avec. Seigneur, où est-ce que j'en suis? Est-ce que vraiment je suis conscient ou bien je viens seulement comme ça? Je saute, je danse, je saute, et puis quand je sors, je retourne encore. Alors je suis Satan, lui. Il ne joue pas. Il surveille très bien. Il voit qui vous êtes. Il sait comment. Mais vous savez que l'appareil que vous avez, ça vient de Dieu? Non. Pensez-vous vraiment que l'appareil vient de Dieu? Ce n'est pas possible. Avec Dieu, c'est fortificateur pour moi. Mais ça paraît ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit que maudit donc quiconque fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc quand la paresse vient, c'est Satan en fait. Il est là au travail. Plus vous met la paresse, maintenant, il commence à voir vous tirer effectivement jusqu'à ce que il pose sa marque. Et ce dont nous devons travailler, nous, ce que nous avons besoin de ce que Dieu puisse mettre son esprit sur nous. C'est pourquoi nous avons besoin de la persévérance. Persévérance à l'écoute de la parole de Dieu, persévérance à pouvoir réellement chercher à ce que le Saint-Esprit vienne pour que la semence que j'ai reçue, qu'elle soit arrosée, qu'elle puisse porter du fruit. Je veux, moi, je veux, Seigneur, être bouillant tous les jours. Chaque fois que je vais dans ta maison à toi, je vais être bouillant. Si c'était un objectif que nous avons, Dieu va nous le donner. Mais si on vient avec des involtures, Satan va se donner ce que nous voulons. Je ne suis pas intéressé, c'est-à-dire, ah, tu es mon homme. Tu sors ici, la même chose. Tu vas te dire, mais pourquoi je suis allé? Il a pris tout le temps, il m'a parlé de politique, c'est pas possible. Mais Dieu te parlait pour que tu comprennes que tout ce qui va se passer, c'est déjà là. Il te prévient, toi, pour ce que maintenant, fais attention. Voilà, c'est si. Disant, tu ne vois pas avec tes yeux, Dieu voit, te montre avec les yeux spirituels. Pour que tu vois que Satan, derrière, il fait son travail. Et toi, tu te vois dormir. Réveille-toi. Prends courage. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Amen.